Tu lanceras pas la mission tout de suite. Je te ferai faire une manip pour installer tes phares, en fait, qui nous permet en jeu d'être immersif. C'est-à-dire quand tu t'éloignes du mec à côté de toi, ben, tu l'entends plus, quoi. Ah ok. Ce qui Ah ouais, c'est réaliste. c'est voilà, c'est réaliste, puis ça évite la pagaille aussi. Y a mes chats qui vont se demander pourquoi je crie. Donc quand ça sera lancé, il faudra aller dans l'explorateur de Windows, là. Explorateur de fichiers, on ira chercher le. On ira quand tu seras sur le. Quand le jeu sera lancé, on va attendre. Ouais, là j'ai la page de garde. Va attendre qu'il se lance tranquillement parce que faut pas le perturber Arma quand il se lance parce que ça peut faire bugger des fois. C'est vieux ça, il date de 2015, je crois, Arma. Ah Oula, non non. non, non, non. Il est sorti. La première version qu'ils ont sortie, c'était 2011. Ok, mais le 3. C'est Arma pas. 3 2012, Non, non, le Arma lancement 3. officiel 2012, Arma 3. Mais C'est Arma, ça. oui, il est plus vieux que ça, il est des années 2000 le premier. Non, non, Arma 3, en fait, si tu veux la version Non, Alpha, mais ils l'ont sorti en Arma, 2011. il te parle, il parle d'Arma, Bon, Arma. ah oui. Il vient de s'ouvrir, il met cannot load Ouais, ça s'est texture. fait Oh, ça fermer. sert à rien, C'est ça. une petite C'est erreur qu'il y rien. a avec les mods, ça. No entry. Ok. Ok. Bon, Alors là, là, maintenant, je. tu viens, tu touches plus au jeu, tu vas dans l'explorateur de fichiers de ton Windows là. Ouais. Il faut que tu ailles dans le jeu en lui-même, il faut aller chercher dans le dossier des mods, en fait. Il y a un truc à télécharger, donc tu sais où est le jeu dans ton dans ta librairie Steam, c'est bon? Faudra que Tu vas je sur le disque dur. le fouille un peu. Tu vas dans le disque dur de ton là où il y a Arma 3. Tu vas dans la Steam Library, Steam Apps. Sur ces Steam Library, Steam Apps. Ok, Common, Common, Arma Arma 3. 3. Il Quoi? Pourquoi je l'ai pas? Ah y a non, pas, mode. je suis pas dans Arma. J'ai changé de disque En dur. quoi? Oui, non, mais attends, attends, parce que j'ai changé de disque dur 2 secondes. Je te dis un truc, mais je Je te dis un truc que je vois Steam pas Apps, là. Common, Arma 3. Là, quand tu es dans Arma 3, normalement tu fais. T'as un fichier caché pour Faut ouvrir le afficher. fichier caché. Voilà, afficher les fichiers cachés. C'est ça. Voilà. Quand tu fais le. T'es quoi sur T'es Windows sûr? 10, Windows 11? Oui, le 11, je crois. Le 11. Le En fait, quand. dernier, je sais. Ouais, t'as les petits trois petits points en savoir plus. Ah, je connais pas Windows 11. Attends, attends, affichage. Non, non, ça doit être le 12, option, c'est pas ça. Modifier les T'as les options des trois petits dossiers. points tout en haut. Général, visualiser. Voyage. Attends, sinon ça sera plus simple. Je vais t'envoyer le fichier directement d'installation. Alors, TeamSpeak, c'est combien? 8 MO. Mettre un sur. Ouais, mais je sais pas s'il pourra télécharger. Dans l'échange de dossiers, je sais pas s'il a accès. Si, t'inquiète, je vais le mettre sur le drive. Ah mais le drive il a pas Pourquoi y accès au était? drive. Non, mais t'inquiète, t'as juste un lien de partage juste pour ça. Ok, il va t'envoyer un lien de partage. Ok, ça va alors. Oh, Regarde. je crois que j'ai trouvé. Il s'appelle comment le fichier? En fait c'est workshop. Le fichier cassé chez workshop, mais tu le vois pas. C'est un Dans fichier ou un dossier? t'as le dossier workshop qui est caché dans Arma 3. Et en fait dedans il y a tous les mods. Envoie sur Steam en direct, sur Steam TS. sur Discord. Ah, sur Discord, tu viens voir. Ok. Ouais. Attends. Seul. Et ce dossier. Non, mais quand t'es dans Arma 3, si tu vois pas le dossier On. Workshop, c'est qu'il est il est caché, tu vois pas en fait. Ouais, j'ai réussi à mettre les fichiers cachés, mais Ah. Donc pas le dossier caché. t'as un point d'exclamation avec marqué Workshop. Non, je l'ai Non, tu pas. l'as pas. Il te l'a mis sur Discord, il me dit. Tu l'as mis sur Discord? Tu l'as mis où? Je t'ai envoyé sur Discord, mais attends, j'ai un problème. Ah. Je sais pas pourquoi. C'est bien compliqué tout ça. Ah, c'est la première fois. Personnaliser le dossier.
Général caché. Attends, je l'ai mis. Il faut afficher les dossiers cachés. Si tu vois pas le dossier workshop, c'est que tu l'as pas. T'as pas fait la bonne manip. Windows 10 que j'ai, pardon. Mais va, je t'ai envoyé, attends, je renvoie un lien. Action. T'as éteint la lumière immédiatement quand on... Tiens, Wally, je t'envoie un lien sur Teamspeak. T'envoyer dans une conversation là. T'envoyer un lien. Tu cliques dessus, tu fais télécharger. Ah, faut le trouver. Je t'ai envoyé un lien sur Teamspeak, c'est tu cliques sur Teamspeak, normalement t'as un petit onglet Oh, ouais, j'ai trouvé. Il y a plugins Non, en fait, tu télécharges. Pocket Genie. Non, non, tu fais en haut à droite, tu fais télécharger directement. Quand tu es sur le lien, normalement, tu peux télécharger. En haut à droite, tu as ton compte. Normalement, il y a ton compte Google, les trois petites actions, trois autres actions. À télécharger. Ouais, vas-y, télécharger, tu faut le Taskforce télécharger. Radio TS3 Ouais, plugin, c'est ça? yes. C'est ça. Et là, tu double-cliques dessus et tu l'installes. Yes. Il faut redémarrer TeamSpeak. Yes. Ok, à tout de suite. Ouais, je t'attends. Hop. Je sais pas si... User disconnected from your channel. User joined your channel. Ouais. Donc maintenant, tu vas dans Outils, dans Teamspeak, tu vas dans Outils, Options. Outils, Options, Ouais. Compléments. Et là, tout en bas, tu as Task Force Red Radio. Et il faut qu'il soit activé. S'il est désactivé, tu cliques. Ouais, plugin, OctaSource, ok, activé, oui. Tu cliques, C'est bon. faut qu'il y ait écrit activé. Voilà. Appliquer, ok. Activé, ok. Ok, là tu Et reviens. là, bah du... Et là tu peux être sur le jeu, maintenant tu peux te connecter au serveur de la partie. Et quand tu seras sur le serveur, tu verras que tu nous entendras pas, il faudra que tu t'approches de nous, on est assis sur les chaises. Faut que ce soit marqué activé en bleu, hein. Ouais. Ok. C'est bon, il était. Donc là, là tu... c'est bon, on voit que t'es bien activé. Donc là, tu retournes sur le jeu. Navigateur de serveur, connexion, arma 3 points barre. C'est ça. Parti. Yes. Ok. Tu prends un slow joueur. Bon, allez, je remonte avec ouais, les vas-y, autres vas-y, tout ouais, de suite. Dès qu'il est là, User left your channel. De toute façon, quand tu verras, quand tu seras connecté sur la partie, on pourra plus parler, tu seras obligé de passer dans le salon OPEX et te rapprocher de nous pour nous entendre, en fait. Ok, mais là, je me mets dans quelle équipe, là c'est... Tu prends le truc joueur, tu prends un slot joueur. Oui,
Il y a CDG bleu, Non, 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 CDS. tu descends un petit peu, il y a un Ah, CDS. ok, joueur. Ah, ok, ça y est. Tu prends un slot joueur. Attends, je vais t'attendre pour que tu vas popper parce que sinon tu vas. On va pas tuer pas, Ouais. tu seras connecté, tu pourras plus parler. Ça charge encore là. C'est normal. Là, il va y avoir un changement de la mission, il y a quelques mégas qui vont se télécharger. Je pense que j'ai perdu quelques gigas sur mon disque dur. Mais en tout, ça prend 150 gigas. Et quand tu vas arriver sur la carte, enfin, tu vas te connecter sur la mission et ça va faire un petit bruit de radio et en fait tu vas popper sur la carte. Enfin, tu vas popper sur la partie. Ah ben voilà, il est là. Tu es là. Inconnu. D'accord, ok. Ouais, c'est même ça que t'as pas, je Ok. changer le nom plus tard. Ok. Je sais pas quel slot il t'a choisi là. Tiens, viens ici là. Pour l'instant, ça Hein? cherche toujours. Ah, espace pour continuer. Repousser les forces ennemies. Tu fais espace, ouais, c'est bon, ça fait passer Ok, l'affaire. c'est bon. Tu viens avec moi là, près de l'intendant là. Tu avec le menu molette, tu fais recevoir son pactage. Tu choisis le premier là. Tu fais recevoir son pactage avec le menu molette. Tu choisis GV. Tu cliques sur GV. Tu fais OK. Moi je vais prendre FR F2 Non, et inventaire. non, non, non. Rapproche-toi un peu plus du monsieur là. Faut que tu regardes le monsieur qui est là. Et là, avec Ça peut être. le Ah, menu ok. molette, tu fais recevoir son pactage. Ouais, c'est bon, je l'ai. Tu choisis GV, le premier là. Obtenir. Grenadier. Voilà, tu fais obtenir kit. Et Ok. t'as la fenêtre des patchs, tu choisis sur rouge GV. Et tu fais exit. C'est bon. Yes. City, il est à quel héros? Voilà, là c'est bon. Allez, tu peux venir au briefing. Suis-moi, c'est là. Par C'est contre, drôle. il faut qu'on monte dans le salon OPEX, pour si on ne t'entendra pas les autres. Hein, on monte dans le salon OPEX. Channel switched. Un soutien User joined your aux channel. équipes au sol hein, qui seront à l'assaut. Je ne sais pas si vous avez vu, mais donc au niveau des hangars, il y a trois pupitres. Les pupitres vous permettront de vous téléporter au niveau de la centrale électrique, là où s'est arrêté Valmy 1. Donc on va reprendre là où on s'était arrêté. Donc dès que tous les briefings sont finis, que tout le monde est là et que tout le monde a bien pris la compo, on pourra utiliser les pupitres blancs, donc si possible un à la fois. Donc il y a trois pupitres, donc on peut faire trois personnes par trois personnes. Mais pour éviter de popper au même endroit que ses copains et faire des suicides collectifs, on va essayer d'y aller mollo, Il n'y a pas déjà eu assez de soucis comme ça. Ouais, non, c'est ça. Voilà pour moi. Je sais pas si tu veux faire ton briefing maintenant, Marceau. Alors, est-ce que Cali est là? Oui, présent. Avec notre ami là aussi. Ok, super. Alors pour ceux qui n'étaient pas là, donc Wally et Cali, hein, n'hésitez pas à un briefing, demandez des précisions à vos encadrants. J'arrive déjà pas à m'asseoir sur les chaises, ça commence bien. T'inquiète. Avec Interaction Ace. Ouais, mais ça vient. Il est la première fois qu'il joue. Ça Ah, ok. Bon, t'inquiète, c'est pas viendra, essentiel. on t'expliquera, t'inquiète. Interaction. Avec La touche la touche Windows. Windows en fait. La touche Windows, ouais. Tu restes appuyé sur la touche Windows et tu vous regardes le siège et il est marqué s'asseoir. Il faut lever un peu, regarde un peu plus en haut, normalement. Tu rentres vers le milieu. Un truc site. Bon, Bon, c'est on pas y grave. arrivera. Il va y T'inquiète, arriver. oh, sinon c'est pas grave, hein. T'inquiète, ouais. Ils te brieferont après. Bon, ok. Ok. Pour tous, regardez, ouvrez votre carte. Yes. C'est beau. On va tous lire sur les cartes. Alors. On va utiliser les pupitres, comme a dit Pierrot, qui sont à l'entrée
du hangar, on arrivera sur le point Alfa Romeo. Une fois sur le point Alfa Romeo, on ira prendre deux griffons. Deux griffons et un quad pour le binôme TP. TE plutôt. Binôme TE. On se dirigera directement vers Papa Unité. Papa Unité, on laissera les véhicules sur place. À voir pour le binôme TE ce qu'ils feront avec le quad, s'ils continuent véhiculer ou pas. Et on ira faire mouvement directement sur Papa 2. Une fois sur Papa 2, le binôme TE, donc Roxas et Gauthier qui sera opérateur drone. Il y aura lui aussi en plus un fusil TE. Ou en plus un fusil TP, on verra bien. Seront sur Papa 2 et resteront sur Papa 2 pour une recoupe préliminaire le temps que le groupe rouge se déplacera du coup sur Roméo Unité, Roméo 2, Roméo 3. Tout ça pour atteindre la pointe Mike Unité. Mike Unité, c'est comme a dit Pierrouette, la mairie. La mairie, facile à reconnaître, antenne radio au-dessus. Le but c'est nettoyer, tuer tout hostile qui sera présent sur zone et récupérer les documents. Les documents sont importants pour connaître le plan d'action de l'ennemi. Une fois cela fait, on verra sur la suite selon les infos qu'on aura à notre disposition. Je vais donner maintenant le détail du groupement. Alors, dans Zulu, donc groupe TE, on aura Roxas en TE, Gauthier en spotter OP drone. Pour rouge, on aura, alors je serai du coup CDG avec Wally avec moi qui m'assistera, je le formerai un peu. En dessous on aura C2 Alpha, John, Sapper, Heliox, spécialiste AC Kali, C2 Bravo, Pierrouette, Oxane, Fargus et TAD Radez. Est-ce que c'est bon pour vous? Ouais. Ouais, bien pris. Et est-ce que vous avez des questions? Questions? À quel moment je décolle le drone? À ton initiative, une fois qu'on sera dans les véhicules et que tu seras tranquillement transporté par ton binôme. Ok, reçu. Moi j'ai une question, est-ce qu'il y aura du ravitaillement prévu à un moment ou à un autre? Et d'après ce que j'ai compris, il va y avoir du monde, donc c'est possible que j'ai besoin de me ravitailler moi en tant qu'Oxane. Est-ce qu'il y a quelque chose ou pas? Pirouette. Pas de ravitaillement pendant l'assaut de la ville. Une fois que vous êtes dans la ville, on sera livré à nous-mêmes. Une fois que la ville aura été récupérée, on pourra avoir du ravitaillement. D'accord, ok, merci. Question pour Kali. Vas-y. En AC, je prends le Titan ou je prends la T4? Tu prends le Titan. Okay, Wally sera ta mule si tu as besoin de plus de croquettes. Moi j'en ai un plus deux déjà. Donc ouais. Je vais voir avec lui après. Voilà. Je vais voir avec son poids en fonction qu'il m'en prenne une ou deux en plus. Que ça marche. Il y a un slot mule hein, que j'avais fait. Ah ben, ok. Ah bah c'est bon, nickel. D'autres questions? C'est bon. Alors j'ai pas écouté tout le briefing. Puis ouais, tu me confirmes pas de présence IED? On ne sait pas. Les Russes ont potentiellement posé des mines dans la ville, mais le risque est faible. Ok. Attention aux mines. Présence civile? Non, les civils ont fui la. Ont fui la ville avec après l'arrivée des blindés russes. Équipement? Ennemi? On s'attend à des forces spéciales au niveau de la mairie pour l'évacuation des séparatistes. Et après, armée régulière dans la ville. Opération de nuit ou de jour? Deux jours. Ok, c'est bon pour vous? Ouais, c'est bon. Ok, bah pour tout le monde, vous avez vos groupes, vous avez vos équipes. Donc, les C2, prenez en charge d'équiper vos mecs. C'est parti. Ouais, c'est... Ok. Donc Wally. Pierre, ouais, c'est ce qu'il est caché.
Je suis là pour Bravo ici. Ah. Wally, je suis devant Tsekali, là, devant toi. Là. Ouais. Morceau. Tu m'entends? Donc si jamais tu veux, je pense ouais. Combien la Fergus ouais. Tu m'entends là? Ouais, je t'entends là maintenant. Et j'ai coupé le micro. Ah, tu fais... Non mais c'est bon, laisse-moi activer ton micro, il n'y a pas de souci. Bien prendre un... Tu fais des bruits. Tu fais CTRL Windows. Ouais. Reste appuyé CTRL Windows, tu vas dans... Et tu balades ta souris sur équipement. Ok. Tu fais mettre les bouchons. Tu cliques sur... Si tu veux une, au moins une, ouais. Tu fais, tu restes, tu laisses ta souris, tu relâches, que... ça, ouais. Ça met les bouchons, ouais, bah, ça t'écrit bouchon mi. Ouais. Et après tu refais CTRL Windows, tu vas dans gestion d'équipe et tu vas sur rejoindre rouge. Et quand tu es sur rejoindre rouge, tu relâches, comme ça tu rejoins l'équipe. Ton nom va s'écrire en rouge. Voilà, okay. Nickel, comme ça. Okay, c'est bon. Tous qui sont en rouge, tout à l'équipe. Ouais, Kali, je te laisse Wally avec toi, il sera ta mule. Ouais. Ok, je vais m'accrocher à sa culotte. Là. Ouais, suis-moi là dessus. On va aller voir le staff. C'est moi qui. Et on va là. Normalement, ici là, tu fais. Tu te remets devant le monsieur là, il est marqué mule à... fusillé, mule AC là. On va faire autrement ce coup-ci, c'est une autre façon de faire. Tu vas devant le petit monsieur là, qui a fusillé, mule AC. Ah oui, c'est vrai que je suis pas. Avec le menu molette, tu fais devenir fusillé AA. Je peux. Je suis où le. Devant moi, il est là. Voilà. Pour des simplicités, là ouais. Mettez-vous en bleu directement. Avec le menu molette, tu fais devenir fusillé en AA. Bleu, ok. Ouais. Pour, comme ça, vous arriverez plus facilement à vous distinguer avec. Molette. Ok. Animation. Gestion d'équipe. Non. Tu, juste avec le menu molette, t'as devenir fusillé AA. Non, genre, quand tu le regardes. Ah, ok. Ouais, bah, on s'est mis. Je suis en 200 et en 260 avec. Ah, ok, ok, pardon. Avec mon équipe. C'est bon. Pardon. Donc là, normalement, tu fais inventaire. Et du coup, non, il y a dans pas ton inventaire, pourra, avec qui là, tu dois avoir dans ton sac à dos des Milan Titan AC. Tu me confirmes, c'est bon? Les deux. Ok, nickel. Donc ça, c'est ce que j'aurais besoin que tu me donnes pendant le combat des fois. Les deux. Ouais, je crois que tu montes quand. Ouais, ouais. Attaque plus comme celui-là, t'inquiète. Ok. Ouais, du coup, tu. Ça va, il y a de la munition. Wally en binôme mule. Ouais, il me suit partout. Ah bon ouais, ouais, je te le laisse proche. Ouais, voilà, c'est bien. Ouais, je te le laisse proche du coup. Parce qu'il commence même pas à y avoir. Vous allégez peut-être enlever les JVN. T'as trop de grenades. Bah, sinon, tu peux enlever les grenades offensives, dans Wally. Dans l'arsenal. Ouais, okay. On va regarder son inventaire ce qu'il a. La bouteille d'eau, on s'en cogne la bouteille d'eau là. La bouteille d'eau, moi je grenade, dirais. J'en ai juste une. J'ai non. Une longue vue sur moi si tu veux. Tu balances la bouteille d'eau, tu la bazardes, ça sert à rien. Ouais, j'ai une frag, pour j'ai une frag, et, là, j'ai une frag et deux mini. La longue vue, elle garde-les, moi, ça suffira. Il ouais. Y a les incapacitantes aussi. Bon, ça, les grenades incapacitantes. On va les garder parce qu'on va en ville. Ouais, on va en ville, donc pour faire du CQB. Les fumigènes. Comment tu choisis tes grenades? C'est G pour lancer, mais pour non. Choisir. Ouais, CTRL G pour les changer. CTRL G. Okay. Mais... Ouais, mets-toi jusqu'en fumigène blanche. Au cas où. Ouais, au cas où j'appuie sur la mauvaise touche. Voilà, ça évite les accidents pendant. Ça, c'est ce qu'on apprend aux mecs. Hein. Quand tu feras ta FMI avec nous, t'apprendras tout ça. Ben, pour éviter. Alors après, tu fais CTRL P aussi. Attends, CTRL G. CTRL P. Ah oui, pardon. Voilà. On va régler la radio aussi. On fait 100, John ? Non, 200. 200, 230. 200 et 230, ok. Ouais. 230 en principal. Ok, c'est en haut. 200 et 230, Ilex. CTRL P, ok. Tu trouves tout bonheur. CTRL P, tu dois avoir la radio, t'as écrit C1. Oui. Tu viens avec ta souris, tu mets en surbrillance le chiffre de la fréquence. Attends, est-ce que je me trompe en fait ? Tu tapes 230 avec ton clavier numérique. Ah oui, tu fais entrer. Là, je crois que je suis au 230, entrée, ouais. Après, t'as dessous canal, t'as la touche, le sur ta radio est marqué PRE là. Ouais. Tu fais sur plus. Tu as écrit C2. C2, ouais. Là, t'as une flèche droite-gauche en dessous là. Donne un coup, un coup à gauche, ça va transformer en A2. C'est la fréquence secondaire en fait. Tu surlignes la fréquence, tu mets 200. Tu mets 200, tu fais entrer. Puis tu appuies deux fois pour être sûr que ça se valide. Et après, tu défais défiler avec pré-1, les canaux, tu fais C1 A2, comme ça tu vois, c'est 200, 230, c'est bien réglé. Merde.
À 2, tu m'as dit c'est 200. Ouais. 75. Ah ouais, pourquoi il parle de. Faut faire Hunter, tu sais, le ENT, une touche ENT. Ouais, ouais, mais. C'est... Non, tu peux faire clear aussi. Alpha, bravo, test radio. De Cali sur 230, faut être clear. C'est un 230. Bravo. Ouais. C'est 230. A2. Faut que tu fasses A. Sur le deuxième, faut que ce soit A2. Donc, avec la flèche canale additionnelle prévue, faut que tu défiles pour que ça fasse A2. Et pas C2. Non, c'est un 230. Ok. Et canal suivant, c'est, au lieu de C2, ça doit être A2. Voilà, correct. Parce qu'en fait, c'est pas la même touche pour parler sur les radios. Ça te permet d'avoir deux canaux en même temps. De pouvoir écouter et parler sur deux canaux en même temps. Et nous, on va parler principalement sur la 230. Mais tu auras au moins, tu auras la 200 aussi. Ok, une fois que j'ai fait ça, je fais quoi? De toute façon, il donnera les ordres. Tu redescends avec canal précédent, tu restes sur C1. Et tu fais Escape pour fermer ta radio. Je vais la jarter. Ouais. Moi je l'ai bien. Et là, avec la touche majuscule. Bon, a priori, non. Avec la touche majuscule, quand tu appuies, ça enclenche la radio sur le canal 230. Bravo, confirmé. Putain, ça pèse rien. Wally de Cali sur la 230, tu m'entends? Ouais, attends, j'ai merdé là. 5 serpents. John, test radio 1 sur 200. Ouais, je prends la clé. Ouais. Alors, John, contrôle. Tu prends ton contrôle P. Ok, j'ai A2 200. Ok, bah attends, je vais. Et C2 200, non, il y a une erreur. Non, bouchon. C2 200 et A2 230, c'est ça? Non, pas C2. Ah, c'est C1 qui est sur 230. Ouais, ça je vais. Et A2 200. Voilà. C'est bon. Ok, non, c'est bon, j'ai bien. À droite, puissant. Je me suis mélangé dans les touches. C'est bon. Pas grave. Après. Escape. Ouais, escape. Et avec, si tu veux, pour être sûr, tu prends ton petit clavier numérique là, tu appuies sur la touche 1. Et en bas, ça s'affiche que tu es sur la canal 230. Tu vois. 230, ouais, canal voilà, okay. 2. Et là, tu parles, tu appuies sur le bouton majuscule. Sur ton bouton majuscule. À gauche ou à droite? Ben, le majuscule à gauche. Au-dessus de Shift là. Au-dessus de Shift, tu restes appuyé, tu vas parler sur la radio, vas-y. Ah, ok. C'est bon, on m'entend. Ouais. Alors, il va falloir changer, enlever la touche parce que tu parles sur le jeu en même temps. Ouais, faut que tu enlèves juste la touche dans les commandes. Ouais. C'est bien. Dans configurer commande, il faut qu'on enlève parce que tu parles dans le jeu en fait. Configurer, ok. Commande. Alors attends. Multijoueur. Non, il t'a fait régler ça déjà, le saut aussi. On verra ça après. Alors attends. Multijoueur, c'est ça? Je sais plus, attends, merde. C'est dans les touches personnalisées. Le saut. C'est dans les add-ons, configurer les add-ons. Non, commande personnalisée. Donc, commande personnalisée. Tu fais défiler là, avec l'ascenseur, tu vas à commande personnalisée. T'as utile action 1. Ouais. Et là tu double cliques dessus tu mets espace. Ça te permet d'escalader les murs et tout comme ça. Ok. Il faut que tu aies un touche affecté espace. Si j'ai du russe à arrêter. Ok. Et là normalement quand tu reviens t'as utile action 1 espace déjà. Ouais, c'est vrai. Bon bah vas-y, je fais 34-27. Ok, déjà ça te permettra d'escalader les murs. Et après pour parler dans le jeu, alors attends. Exactement. Je t'invite à largement défourailler. Ouais, multijoueur. T'as multijoueur et t'as appuyé pour parler. C'est 20 chargeurs. Ouais. Et t'as appuyé pour parler, tu supprimes. tu l'enlèves, il faut plus qu'il y ait rien. Ouais, j'ai 12 chargeurs. Multijoueur. Appuyé pour parler. Tu double-cliques là, tu supprimes la touche. Supprime, ok. Ok. Et normalement, quand tu reviens, il n'y a plus rien. Donc là, si je casse, est-ce qu'on m'entend dans le jeu? Ok, c'est bon, de Cali, on t'entend sur la 230, t'es pas dans le jeu, c'est nickel, bien configuré. Ouais, c'est nickel. Voilà, c'est bon. Allez, avec moi. Non, donc là, en utilisant la touche espace, je vais parler à. Non, à espace, tu vas sauter. tu vas sauter, escalader les murs avec espace et la touche image pour parler à la radio. Ok, 10-4.
Mais après, la radio, c'est que si on n'est pas à côté, en fait. D'accord? Allez, on va aller se la porter, les gars. Alpha, c'est bon? On suit John? Tu me suis? Ouais, c'est bon. Ouais. Ok, si on veut faire des petits ajustements, il y aura le déplacement pour faire ça. Allez, on y va. Pas de soucis. Allez, ouvre au téléport. On attend combien de cigarettes? T'as pas tué un ennemi. Là, tu te mets devant le panneau, tu fais télécharge. Et pour vos suicides? Téléport checkpoint. Avec la souris. Wesh. On est la chef. Ça compte pas. Hein. Et si, il faut, c'est mon deuil, il faut que je fume. Je suis à 2500 mètres. Là, ici. Ah, ok. Tu vas pas mourir d'une balle, mais d'un cancer. Ouais, non, ouais, si j'avais un peu le temps, là c'est compliqué quoi. Bravo, tu montes dans le premier griffon, tu te mets en pilote tireur. Oh, bravo. Alpha, vous mettez à l'arrière. Ah, ok. Reçu. Ok, Alpha monte à l'arrière du griffon, je pense que c'est celui-là. Zoulou, préparez-vous au déplacement, vous passerez derrière le griffon. C'est comme tu veux. Non. Tu prends le volant. Okay. Avec le mini molette, là, tu fais grimper à l'arrière. Ouais. Et ça monte tout seul dans le véhicule. Il a parlé sur la 200? Non, je sais pas sur quoi il a parlé. Sur la 40? Je sais pas comment, je sais pas sur quoi il a parlé. Alors, où est-ce qu'on est? On est là. Ça résonne. Ah, ça va être dans le véhicule, c'est normal. On va l'intercom. C'est bien. Disable. Ouais, moi aussi. Pensez à mettre vos. La merde, j'ai loupé. Les bouchons. Ouais, mais je les ai pas mis. Ah merde. Là, je peux. Les bouchons, effectivement, ouais. Ah putain, mais je suis pas du tout au bon endroit là. Puis on peut pas les mettre quand on est dedans. Ah, écoute. Bouchons. Si. Ah, c'est mieux. Bah, t'en as peut-être pas. C'est que t'en as pas. Ah bah non, je me suis fait chier derrière. Non, je c'est sais bon, pas c'est qui. Bon, c'est juste que j'étais sur la carte et ça marche ah, pas. Ah bah oui, c'est sur la carte. Alpha, bravo, embarqué, verrouillé. Cali embarqué. Bravo, verrouillé. Ok, c'est parti, tu peux commencer le déplacement. Et c'est parti. Direction Papa Unité. On a pas pris de photo, compi. Ah merde, Cody. On en prendra. On en prendra une en arrivant. Ouais, on en prendra une en arrivant. On en prendra une dans la mairie quand on aura. Pris la mairie. Okay. Oh, c'est avec, sympa. Avec les cadavres des séparatistes, parfait. Exactement. Et les traces de sang. J'en prendrai une de bois en haut de la palmier en train de chercher par route. Tu n'auras pas le GPS de base donc. Bah tu l'auras, tu le mettras pour moi. Désolé, le drone est lancé. Je le laisse toujours au cas où. Ouais, parce que le micro d'aiguerre. Pour les gens comme toi qui sont réfractaires à la modernité. C'est gentil.
relis pour le GPS et la touche de l'art de ton clavier. T'appuies une fois sur la touche de l'art à côté de return. De quel côté tu veux? Et si tu veux de l'autre côté, c'est à côté de Natsan, c'est la complexe. Si tu veux à gauche. Ça dépend si tu veux à gauche ou à droite, quoi. Mais il débute, il a jamais joué. Oui, c'est vrai. C'est cool. À nouveau, c'est bien. Ouais, dommage, il manque les autres, le breton, tout ça. Vous avez pas... Aussi, là. Ouais. Le breton. Un petit peu dans la forêt sur la droite de route. Ouais, si. T'enfonce à peu près de 25-50 mètres dans la forêt. Je vais tourner après le gros arbre là. Peut-être un ou peut-être avant. Allez, je tourne avant. Voilà. Pour rentrer, ça va pas être marrant. Quoi. Ah bah, tu te mets en tout cas, t'essayes de pas rester. On va aller croiser, on va aller passer par les arbres. Ouais, non, mais là, parfait, parfait, t'as retassé, t'as fait, on est planqué. Le grizzly répété comme. Tout le monde pouvait débarquer. Allez, Alpha, débarquer. On va débarquer. Avec menu molette, sortir. Et on sait. Ah, qui c'est qui s'est blessé? Qui c'est qui était sur le toit? Oh là là, je me suis dit. Votre véhicule. Ouais, quand t'es sur le toit, faut rentrer dans la. Faut rentrer sur le toit. Ah, j'arrive. Non, moi, je suis rentré. T'étais explosé. Oui, mais t'étais pas assis. Non, non, t'étais pas explosé. Oui, mais t'avais fait. T'étais pas assis. Ah, bah alors, ça doit être le griffon. Faire gaffe avec le griffon. Ok, Alpha, bravo, vous mettrez en colonne. Alpha, tu passes en premier, bravo en deuxième. Reçu. Eliox, bravo. Ouais. Eliox suivi de Kali, suivi de Salah Tapache, dit Wally. Et moi je ferme direction Papa 2. Papa 2. Allez, c'est parti, direction Papa 2, tracé vers plein nord. En avant. Ok, pour Bravo, on suit Radez, moi Fergus. Pour info, Zulu est déjà sur le rangement. Ah, Eliox, pas trop vite, je suis 40 kilos. C'est mieux? Ouais, merci. Laisse tomber, je pèse un âne mort, quoi. Demande l'autorisation de tirer un maximum de croquettes de loin. Qu'est-ce qu'il y a, John? Je demande l'autorisation de tirer un maximum de croquettes de loin. Un super bah... assez. Indy, hein, t'as besoin de la munition. Ah, c'est bon là, c'est nickel, merci. Alors... Impec. En plus, on a un drone. Ah, mais en fait, Kali il est chargé de ouf. Ah, je fais 42 kilos. Hein. Ah, bah Kali il a. 32 kilos, ça faisait un peu beaucoup. 3 dans le sac, enfin, 2 dans le sac et une chargée. Donc... Ah, mais t'inquiète, j'aurais bien. Dans pas longtemps, je serai léger. Ouais, ça va du foyer. Je suis pas inquiet. Ok, on fait quand même attention, même si on a Zulu en face, on prend bien tous les azimuts, on arrive en zone hostile. Allez, arme levée pour ceux qui peuvent. C'est pas toi, Kali, tu t'avances plus du tout là. Non, j'avance plus. Ça va, la stamina est pas mal, je fatigue pas. Ah, j'ai passé sur mon SSD le jeu, donc il charge plus là, il est fluide. Alpha, bravo, arrivé Papa 2. On fera une courte pause pour reprendre notre souffle et on repartira directement au Romeo Unité.
suis. C'est bon, c'est bon. On est ok. C'était joli ce petit. Cette zone là. Je suis resté un peu dans les arbres. Zulu en face. Ouais, c'est notre point de, d'arrêt. Et on reste derrière, papa. On reste derrière. T'approches pas trop du bord. Fais une pause stamina. Ouverture 360. Prenez l'ouest. Alpha, bravo. On reste sur droite de colline pour se préparer. Il faut refaire mouvement. Tracé rouge, Romeo unité. Ok, bravo. Alt. Alpha, bravo. Reçu. Il a la chance, il était avec la bonne team d'entrée. C'est bizarre, j'ai pas entendu la radio. Ouais, moi non plus, j'ai pas entendu la radio. Ouais. Sur la 200, j'ai l'impression qu'il y a des. Ça marche pas tout le temps. Bizarre. Je vais revérifier la radio. Ouais, si, je l'ai bien entendu, moi, la 200. Ouais, mais quand toi t'as parlé, John, j'ai pas entendu la com. Ah non, je l'ai passé sur la radio. Ah, ok. Bon, pourtant j'ai bien la 2 en 200. C'est un morceau en fait. Que je peux faire à la voix, Non. Alpha, bravo, aussi prêt, autorisation de reprendre mouvement. Alpha, reçu, reprise. Ok, reprise les enfants, tracé rouge. De bravo, reprise. Bien pris, tracé rouge. Direction Roméo Unité. Okay. En rouge suivi, arrêt sur Roméo Unité. Reçu de rouge, arrêt Roméo Unité. Ça tient. Reçu, écofeu. Ouais, misclic. Fais jonction avec Alpha dès que possible. Ça misclic. Ok, c'est reçu. Ok, bravo, on prend le bas. Ah, ralentis un peu derrière, ça suit plus trop. Ça chatouille un peu là. On fait une petite pause là, tant que ça recolle. Ok, c'est bon, Lux, ça a recollé. On a pas mal de découvertes là. Ouais, c'est la 500, j'ai la 502 Pro et tout, elle est super sensible. Je deviens vieux et tout, je tremble. Hein, la même. Elle est sympa, hein, mais. Elle est sympa. Hein, il parle de leur souris là. Ouais, c'est ça, bah, moi j'ai la G305. Moi j'ai la Razer, je sais plus quoi. Ouais, c'est compliqué. Et pour faire ce que je fais, ça suffit. Ouais, bah, déplacement franchi, y'a le drone qui vient de passer au-dessus. Ils ont eu un petit contre-temps. Enfin, ça informé un arme levée, je sais pas si on peut se couvrir. Pas beaucoup d'arbres, hein. Eh non, c'est un peu gênant. Si on est pris à partie, ça va fighter là. Ok, à tous, armes levées, hein, on est en zone vraiment aussi. Et on s'arrête sur Roméo Unité. Bien pris. Arrivé Roméo Unité. Ouais, suivi. Et de Alpha arrivé Roméo Unité. Ah bah t'es derrière moi.
reçu. Mettez-vous en lisière, préparez-vous pour faire traverser de la route. Reçu. Kali et Eliab, vous sécurisez partie nord. Wally avec moi, on va sécuriser la route. C'est une voie ferrée, pas une route. Je dis qu'on parle. C'est Jen, c'est ton alpha. Ah. C'est une voie ferrée, chef. Reçu, je, confirme, la je prends la droite, je vais au buisson. Sur, Des voies ferrées. Ouais, tu vois pas, on n'aura pas le téléphone. Je confirme. C'est John Digger qui me parle. Ouais, c'est moi, ouais. Ok, quand on arrive comme ça sur une voie à traverser là, on sécurise de côté. Ça, donc j'ai envoyé Teddy Elliott de côté nord, un peu plus haut, avec son logique à nous. Et nous, on va faire le côté sud. On regarde plus au sud. Je pense qu'il va regarder de l'autre côté. Bravo, traversez la route, mettez-vous en interdiction pour traverser de l'autre. Bravo, c'est pris pour traverser la route. Marqué sur carte. Pendant qu'on s'est on reçu visuel sur le BTR. Engagement pour l'instant uniquement sur riposte. Ah, on a perdu une avec rouge, on va essayer de faire progression au minimum jusqu'à Romeo 3 avant de commencer à engager les séparés. Au revoir, Eliott. Buddy in your channel timed out. Eliott a perdu internet. TE ennemi suivi des checkpoints et des gardes qui seraient possiblement avec une défaite. Pour le drone, c'est bah, prioritaire. T72, BMP et BTR. Bravo en position. On suit Alpha au traversé. Allez, on décroche. C'est parti. Merde, Buddy entered your channel. Pour la tête, Kali. Ok, Kali, j'y vais. Allez, derrière Fergus. Par le TP parce qu'il est en contrebas. Et vas-y, continue Fergus. Pas Fergus. Ok, Alpha, Kali. Alpha reprise. Vas-y, bravo, Kali. Vous me suivez. Kali reprise. Ok, c'est parti. De Grizzly suivi. Allez, Wally, tu colles à Kali. Wally. Attention à pas passer devant les canons, Wally. Vas-y, suis Kali. Colle-toi son cul. Parfait. Attention à pas passer devant les canons. Parce que si ton pote il a un ennemi qui passe dans sa ligne de tir en même temps. On arrive à Romeo 3. C'est Romeo 2, pardon. Alpha arrivé Romeo 3. Romeo 2, pardon. Reçu Alpha, bravo, meuf. On arrive proche des ennemis. Vous avez les hostiles marqués sur carte plusieurs. BMP, BTR ainsi qu'un T72 sur zone. Nombreux checkpoints et TE. Arrivé Romeo 3, aux abords de Romeo 3, on passe en l'eau. Alpha. Bravo. Le véhicule vient de s'arrêter, donc a priori, reçu, tu peux m'indiquer son nom. Et on est à découvert là. Ah ouais, mettez votre. J'ai pas le choix là. Ouais, sur la crête. Hein. Ouais, je remonte. Ouais, allez. Remonte un peu, Wally. On est trop exposé, on est trop bas. Ok, arrêtez-vous, prenez un appui là sur les premiers arbres là. Ok, prends un appui, Kali. Ouais, mais attends, il faut que je laisse des arbres à tout le monde. Ok, c'est bon. Reçu, bah ils sont encore bourrés. On a de la force. Continue. Ok. Ils sont arrêtés, je vais te marquer sur carte où ils sont et je vais essayer de comment ça marche. Désolé, putain, Eliott, il y a eu un crash. Ouais, il y a eu un crash. Éco-véhicule. On a bourré en face, en fait, gaffe. ok, Alpha, tu vas faire jonction sur Romeo 3, bravo, tu restes en couverture pour l'instant. Alpha, ok. Alors, derrière un arbre. Moi, par contre, tu sors jamais tes jumelles, t'as pas un rôle où tu portes tes jumelles.
Garde toujours ton fusil. Allez, progression jusqu'à Roméo 3, Kelly. Ok, on prend la petite baraque qui est sur notre gauche. Hein. Ouais, c'est la baraque c'est à gauche avec les toits panneaux solaires. Attention, hein, plusieurs BTR et 10 par mais en mouvement. Reçu. Est-ce qu'on investit la maison ou pas? Ouais, si, ouais, si on peut, ouais. Ah, peut-être qu'on peut pas, mais. Elle est ouvrable. Reçu, on a investi. Allez. De Alpha, Rivé, Romain 3, on a investi la maison. Allez, tu rentres avec. Ah, mais y a que la porte là. Ok, reçu. Je peux pas aller nulle part ailleurs. De Alpha, Romain 3, ok. On sort. T'as un. Qui c'est qui est sur Opera 1? C'est toi, Kali? Non, c'est Morceau. Non, c'est pas Morceau. Alpha, c'est reçu, bravo, c'est faites jonction avec bravo, faites jonction avec Alpha. Ah mais il a dû appuyer sur la flèche de droite sans faire exprès. T'es Wally, tu fais CTRL P là sur ta radio et tu as la flèche de droite, t'as haut-parleur, tu cliques dessus. Ouais. Et il faut qu'en bas il y ait marqué écouteur. En bas à droite, il faut que tu écrit écouteur parce que tu devais être sur haut-parleur. Ok, écouteur, c'est bon. Voilà, tu étais sur haut-parleur en fait. C'est pas grave. Ok, pardon. Ah, c'est pas grave, c'est pas grave. Oh, j'ai réussi à me taper. De quoi? Ah, bah c'est Liox en traitant. Merde, putain, j'ai oublié. Attends, bouge pas. Ouais, ou traite-le si tu veux. Ok, tout le monde monte en la voix. Oui. Ok, on reste en position pour l'instant, on n'est pas détecté, c'est nickel. On va. John, est-ce que tu peux me dire si ça arriverait à faire mouvement jusqu'à Roméo 4 ou pas? Bah attends, faut que je. Ah, mais y a plus besoin de. Y a encore un angle, je suis désolé, j'avais pas vu. Vas-y, avance un peu, Kelly. J'avais pas vu qu'il y avait un angle. Non, pas pour. D'accord. Je pense que atteindre Roméo 4 c'est faisable parce qu'il y a pas mal de. Il y a des buissons. De barrières et tout, ça doit être. Il y a des buissons et tout, on doit pouvoir progresser. Ah, je vois un checkpoint visuel sur, sur un bunker. Par contre, je savais pas qu'on. J'étais prêt à faire. Il y a une porte. J'ai visuel sur des PAX. Visuel sur des PAX. Ok, reçu PAX. PAX en visuel, morceau. Ok, donc à peu près 150 mètres. Ok, tout le monde à la voix. Reste indétecté, Kelly. Ok, on va attendre que le TE traite tous les cibles prioritaires ainsi que l'OP drone traite au maximum les véhicules. Et pendant une fois que les tirs sont partis rouge, vous partirez directement Roméo 4. Alpha, vous repartirez directement sur Roméo 4. Bravo, vous resterez en défense sur Roméo 3. Vous nettoyez le checkpoint avec les deux PAX. Ok. Reçu. Ok, on va prendre. Une fois que c'est fait. On va regarder une fois que c'est fait. Visuels dans le bâtiment, là, pour Bravo. Une fois que c'est fait et que c'est clear, bravo, vous rejoignez Alpha. On va faire un déplacement en tiroir. Reçu. Donc Alpha avance, bravo, rejoint. Alpha avance, bravo, rejoint. Jusqu'à la mairie. Reçu. Ok, c'est reçu, bravo. Avance de maison en maison. Zulu Grizzly. Quelque chose là, derrière la porte. Prêt à prêter le TE ainsi qu'un maximum de BTR et BMP avec le drone. Afi, je suis verrouillé sur le T-72. Ça s'ouvre pas ça? Ah merde. Prêter les blindés. Ils ont reçu une fois le T-72 traité. Cible prioritaire, cible proche. Non. Véhiculé blindé de la mairie. Cible proche de la mairie. Ils sont alertés. Ennemi alerté. Ok, PAX alerté. Ah, ils ont vu, je crois. Par contre, ils. On a le signal, c'est ça. Ils tirent pas, mais ils sont alertés. Lâche pas. Alpha, bravo, prêt. Est-ce qu'il peut Alpha, prêt. Ça tire. Top action. Allez, top action. Alpha, bravo, top action. Allez. On a perdu la pluie. On a perdu la pluie. Allez, faut essayer d'atteindre Roméo 4.
joué. Ok, si c'est bon, on progresse. Allez, donc je passe devant. Ouais, vas-y, prends ton temps. Je passe devant. Ouais, Alpha en progression en direction de 184. Excusez-nous, on est en pleine action. Suivi. Ok. Je suis rentré à la maison. De Alpha, on a atteint Romeo 4. Reçu position défensive pour que Bravo vous rejoigne. Suivi. Ok, à tous, position d'appui, on va rentrer dans les... Bravo qui va nous rejoindre. Putain, on peut pas tirer, on peut pas sortir sur la terrasse, rien du tout. Combien de packs, combien de cibles on prend en bout. Ok, de Bravo, on a traité toutes les cibles à notre portée. Bon, attends, on va redescendre, là on sert à rien, on peut rien faire. Bravo, vous pouvez rejoindre Alpha. Oh, ça tape pas loin là. Ah ouais, ça tape pas loin là. Ça tape depuis la mairie, je crois. On peut passer par la gauche, Elox, non? Ouais, on peut passer par la gauche. John, par la gauche. Vas-y, Kali, passe. Ça tape fort, ça tape fort à gauche. Ça tire de où? Justement, je ne sais pas. Parce que là, on n'est pas détectable. Qui c'est qui nous tire dessus, bordel? Ça calme. Ah bah ouais, c'est sportif ça. Ok, Eliox, on a devant. Y'a rien. On a devant, Ring. Rien, ouais. Allez, on avance, Ring. Oula. Par contre, je sais pas qui c'est. À mon avis, y'a du monde sur les hôtels. Personne, putain. Oh. Il y a forcément un mec qui tape. Ok, à tous, autorisation d'engueuler les silencieux, ça sert plus à rien pour l'instant. Okay. Allez, silencieux pour un peu plus de gauche, les gars. Reçu. J'entends un écho, un gros véhicule là, non? Ok, on a un véhicule sud. Reçu, tu prépares ton AC pour traiter. Ouais, j'arrive. Je crois qu'il est juste en dessous par contre. Ah merde. Il est juste au coin là. Ok, de Bravo, je confirme, il est à peu près 20-30 mètres en contrebas sur nos 6. Ouais. Non, reçu. Ah bah il s'est... Ils ont débarqué. Ok, équipage du véhicule traité. Mais tous? Bah ils étaient deux, je les ai traités, je crois. Ah non, il y en a d'autres, il y en a encore un. Ok, c'est bon, ça y est. Traité. Ok. Ça arrange, j'avais pas eu le troisième, il était caché dessus. Ok, on y va. J'ai pas eu le temps de tirer. Reste avec Eliox. Alpha, Bravo, faites mouvement directement sur Romeo 5. Si besoin, mur de fumée sur les avant et on traverse. Ok, on va faire un mur de fumée. On va recoller. Et Pierre-Watt, il se fait pas d'où? Ouais, Pierre-Watt, on va recharger la dose. Ok. Ah, tu veux que je recharge le drone? Ouais. Ça tire. Ok, Alpha, mur de fumigène là sur les avants. Il est déployé là.
Mais ça tire de fin, c'est juste un peu action. Ouais. C'est de la tour. C'est le long de la route, je pense. Pas de soutien. On pourrait passer de l'autre côté, on est trop exposé. C'est le côté à gauche, à droite. On peut descendre un peu sur la droite de la maison. On peut descendre sinon sur la route par où ils viennent d'aller. Ouais, mais en fait, la menace elle vient d'en dessous. Ah, c'est bon. Mais là on est en surplomb, c'est pour ça qu'on prend des tirs aussi. Si on descend, on sera moins exposé. De l'autre côté, il y a confirmé, allez, Alpha, allez, franchement. On va faire le tour, on va passer de l'autre côté de la maison. Faites le tour. En gros, c'est toujours opérationnel. Parce que s'il y a un gros blindé derrière, on est pas bien. Il y a une mobilité. C'est à peu près dans le même axe que le point de l'autre qui vous tirait dessus. Prenez derrière le muret. Ah, mais Yok, c'est parti. Ah, le muret, les gars. Passe le muret. Passez derrière le muret, les gars. J'ai que passer de l'autre côté là. Ouais, ouais. Allez, le muret, là. Passe, bordel. Hop là. Ça claque. Ouais, les gars. C'est pareil. Est-ce que tu veux que j'aille taper directement là-bas? Allez, on va jusqu'au coin, on avance jusqu'au coin déjà. On se fait déjà. Ça va mieux. Un point d'appui. On en prend. Allez, fais-toi déjà un point d'appui là. On voit quelque chose. Je vois rien. On peut traverser là, c'est bon. Là vous pouvez traverser. Ouais. Allez, on traverse. Et Cali, allez, vas-y, Cali. Allez. Ouais, c'est bon, ça passe. Décroche. Et après, je décroche. Attention, il y a la menace, ça vient de la mairie. Ah, bonsoir le breton. Ok, je vois rien de là. On peut pas rentrer, c'est bloqué. Pas par ici. Ok, bravo, on se met derrière le bunker blanc là. Ok, parti. Et pour info, on a plus de soutien de Zulu pour l'instant. Ils sont en train de poser, de changer de position. La position est compromise. Encore aller nettoyer la mairie là. Non, c'était. Ok, on a la mairie en contrebas. Je me mets en full auto. Alpha. Ah, un F Kroger, pardon, excusez-moi. Faites-moi une ligne, on y va. À la sur. Allez, Alpha, en ligne. En ligne. Petite droite, gauche. Ok. C'est parti. Allez, Alpha, progressivement en ligne, direction la mairie qui est pleine ouest. Deux morts devant, deux morts devant. Cali, oui. Est-ce que tu peux me tirer le tuer le premier devant? Le ramener, me le reculer s'il te plaît. C'est pirouette. Qu'est-ce qui s'est passé là? Pourquoi je peux pas le prendre? On a. Ah mais Purette a été tué, il est mort, il est dead. Ah c'est pour ça. Ah putain mais j'étais mort. Ouais, je suis blessé. La Kali touché. Kali, j'ai le bras pété. C'est moi qui peux soigner. Il est traité, pété.
sur le balcon, un bac sur le balcon. Direction. On descend ou pas? Ouais. Continue, on va aller chercher. On a l'entrée de la mairie là. Parce qu'on va pas d'entrée. J'avais même pas vu lui. Il est mort. Attention, avec toi, on est avec toi. Derrière. Mais non, c'est les alliés ça. Non. Pirouette à terre, j'ai pirouette à terre. La pirouette à terre. Ok, avec toi. Je traîne. En bas de la maison. On a besoin de soin sur pirouette. On est au pied de la baraque. Mais ça vient d'où? Les arrières aussi. Regardez, couvre aussi les arrières. De le stabiliser. On a perdu Wally. Wally, ta position. J'ai perdu Wally. Je suis là. Ah. Ah non, c'est bon. J'ai un éco-véhicule. Éco-véhicule? C'est pas le véhicule qui est en dessous qui te remet encore? Allez, vas-y. Tu passes devant Kali. Vas-y. Restez ensemble. Hein. Couvrez, vous me couvrez pendant que je suis en train de faire les sons. Ah, ouais, ça va. Hop, reviens. La zone pas juste, hein. Ah, y'a pas que un mec dans la mairie. Y'a un pack dans l'autre de la mairie. C'est qui ça? Ennemi. C'est un ennemi. Ok, Alpha, investissez. Tout le monde investissez. Tous ceux qui sont pas nécessaires au soir, on investit la mairie. Allez, on rentre. Allez, c'est parti. Prends à gauche. Ok, je prends la. Vas-y. On peut faire une entrée par là. À droite, couloir à droite, trace. Trop putain. Kali est blessé dans le couloir. Couloir de droite, c'est Ali. Kali, putain! Morceau! J'ai foutu une autre poche. Morceau, tu m'as tué, putain. Ouais, mais j'ai pas compris, je te voyais avec un camo style MTP. Mais je me suis couché parce que j'étais blessé et j'ai tué les mecs tout au fond du couloir là. J'ai 3-4 packs quoi. Ah putain, c'est chelou. Je te voyais avec un truc. Bref, désolé. Ah, parce que j'étais couché. J'étais blessé, j'étais en soin sur moi-même. Il y a des documents là. Ah, de Kali, il y a des documents sur le comptoir à l'entrée, trop secret. Morceau, il y a des documents là. C'est la baraque. Mettez-vous, prenez des positions à couvert. Il y a des documents là, top secret sur le comptoir. Et qui l'oxane sur le comptoir. Tu peux avoir une adaction dessus là. Ah merde, c'est de l'autre côté. Ouais, c'est un peu compliqué à voir, mais ils sont là. Qu'est-ce qui se passe?
Ouais, je récupère ça. C'est qui l'Oxane? C'est Farius. Farius, il est où? Retour de Kali. Ouais, suis Kali. Je t'ai tué par morceau? Ouais, j'ai vu. Ouais, mais on a dit Ali. J'ai dit, je suis couché dans le couloir de droite. Je criais. Ouais, affirmatif, on est H416. On joue les français, donc dès qu'on joue français, on joue un HK. Ah, c'est... T'es de la team AMF, Krogar? Donc effectivement, on joue... On joue avec vos HK, si t'es de la team AMF. Il y a quelqu'un qui avait besoin d'un médic là sur l'ancienne position. Tarades, tu peux juste passer, merci. Voilà. C'est les vôtres, je pense, là, il me semble. C'est pas moi l'éditeur. Hein. Merde, ouais, mais c'est pas moi l'éditeur, c'est Pirouette, donc. Au nord de c'est, je crois qu'il a mis vos. Un très bon, je sais pas si c'est de SMA de ou. Médic, pas de médic. Je crois qu'on utilise de SMA. Parce qu'avec les vôtres, le problème c'est le son. Sur Wally. Je sais pas si c'est les tiens ou si c'est. Wally. T'as besoin de toi ? Ouais. C'est les vôtres ? Ok. Ouais, mets-toi là, s'il te plaît. Donc, ouais, on utilise une partie de votre matos, effectivement. Allez, bouge pas. On a votre EI. Eh ben non. Vas-y, ouais. Votre EI, aussi vos casques. Ah oui. Ah bah oui. J'ai perdu un peu de sang, quand même. Bon, Matt, franchement, c'est sympa. Ils sont sympas, votre EI. Et maintenant, pour les armes, il y a un problème avec vos sons, en fait. On les utilise pas. Malheureusement, je suis désolé pour toi. Allez, encore. Et j'ai de la poussière au niveau du deuxième du premier étage. Qu'est-ce que ça? Qu'est-ce qui se passe? Vas-y, pas du tout. Attends, que vous êtes Zoulou, on arrive dans la mairie pour que je puisse me planquer dedans. Ah, ça va, et avant que ça se fasse, on va être indépendant. Ah, c'est vous, HK. Bouge pas. Ok, ok. Parce que moi j'ai édité également aussi l'émission, mais là c'est pas moi qui ai édité celle de ce soir. C'est notre ami Pirouette. Ouais, pardon. Ok, bravo opérationnel. Il faudrait que tu essayes de me repérer et détruire les derniers véhicules qu'on a là sur zone. Il y a l'opérateur drone qui arrive sur zone. Une douleur moyenne. Donc il y a drone reconnecté. D'accord. Donc il va. Ouais, je sais pas. C'est bon, je fais pas trop attention perso quand je joue, mais on a un puriste chez nous, Gauthier. Ouais, reçu. Autorisation engagée. On continue à prendre des tirs de partout, hein. Je te mets une mortine. Ça va aller mieux dans quelques secondes. Ça arrive de je sais pas d'où là, mais ça tire okay, de. Bon bah, c'est ça, on va faire du vite pour toi de traiter. On a un AC avec pas mal de franquettes donc. D'accord. Le problème, c'est que je sais pas où elle est la menace. Je vais faire une connerie. Moi, je veux bien, mais la ville elle est grande à nettoyer quoi. Hop, bouge pas. Moi, je vois rien de là où je suis. Sur lui pour l'instant. Voilà, c'est bon. Non, je pense qu'il est plus à droite. Bah écoute, ça devrait aller. Ça devrait aller maintenant. Allez, non, s'il ne dit pas. Après, ils sont peut-être loin. Peut-être en bas dans la. J'ai l'impression qu'il est bâtiment derrière là en fait. Ok, bah de toute façon, on va aller partir là-bas, je pense. Hein. On va les nettoyer. Je pense que ça vient du sud, donc on va les nettoyer le sud. Un BMP, un T72 et un gaz traité. Par contre, t'as dû entendre Krogar que notre ami John a dit merci pour le matos. On bouge? Non. Ouais, on va bouger. Ok. À l'écoute. On me demande de confirmer si la menace TP est bien au nord. User left your channel. À confirmer au nord de votre position. Négatif, j'ai calé en visuel. Hein? Mais le TP a été traité. C'est sûr? Bah, ils disent que t'es à terre. Mais non, je suis là, c'est mon corps qui est là-bas. Moi, je suis... Ok. Négatif, pas calé à terre. Bon, ça va. Bon, ça va, je suis là. Tout va bien. Okay, user joined your channel. Alpha, ouais, bravo. J'écoute. Ok. Oui, alors, ouais, bravo, tout le monde m'a la voix. Ouais. Non, c'est pas Kali, c'est qui? Ok, on va faire. Non, c'est mon corps. On finit de nettoyer la ville. Ah. On va faire déplacement. Mort là-bas, tracer rouge sur carte. On va descendre direction sud-ouest, la route qu'on a là juste sur nous, pour rejoindre direction India Unité. À partir d'India Unité. On verra ce qu'on fait, mais attention, il y a potentiellement des BMP et encore des BTR sur zone. Okay, c'est parti. On fait pareil, Alpha en tête. Eliox.
Partie de Mike sur le Alex Kelly. Ouais. Bravo, okay. Tu fermes. Super, bravo. Ouais, si je peux te dire, Krogar, du coup, effectivement, un chose sur Reforger, t'as un temps, effectivement, lui aussi. On joue les marqueurs sur carte au niveau des PTR. Et effectivement, ouais, si vos armes sont plus belles, ça va faire plaisir, effectivement. Allez, placez-vous. Microphone activated. Vas-y, Kelly, prends ta place. Allez, on y va, progression, direction India Unité. On suit la route, garde les couverts. Et ça tire depuis le port, je crois. Dans le matériel. Et vachement les couverts. On peut pas se caler plutôt entre les. Ouais, on remarque, c'est bien. Au moins les couverts d'en bas là. Traverser. Ah, en traversier. Attention au rez-de-chaussée. C'est quoi qu'on entend tirer là, bordel? C'est un mec de chez nous qui tire comme ça? Je continue, John. Sur l'ouverture gauche. Autre gauche. Iras. Ok, on continue. Attends. Attends. Putain, y'a Bravo, il est pas suivi. Ouais. Microphone. Ouais, en fait, on a un drone là, qui, un Reaper qui tourne, qui nous appuie. Et on a. On passe par l'intérieur de ça. On a un TP également qui. Ouais. Qui fait de l'appui à distance et qui nous tire les mecs. Microphone activated. Qui tape la machine ou quoi? Ah, ça, c'est l'explosion des. Les véhicules qui les explosent, c'est les le stock de munitions à l'intérieur du véhicule qui pète. Par contre, du coup, je suis plus sur la route là. Bah, c'est pas grave. Blanc. C'est par là. De descendre un peu blanc. Ouais, à gauche, c'est à gauche. On va essayer de redescendre quand même. Dans le dos, là. On arrive au-dessus là, on est juste au-dessus, on surplombe. On surplombe l'objectif. C'est un peu casse-gueule hein. Peut-être. On peut descendre là. Support menace. Essayez de descendre au plus vite. J'ai coffé sur les arbres, putain. Oula. Ouais, c'est craigneux, si tu veux ça descendre. Pas de sud au niveau du bâtiment à deux étages et des barrières en tôle. C'est bon, ça passe. Ça. On se blesse pas, c'est bon, nickel. De Zoulou, on a plus de cible. On refuge avec un vers le sud. On commence à faire progression. Et qu'on voit de mon côté là. Affirmatif visuel, mec, il pas alerte, il est dans le cimetière. Ça a sifflé là. Peut-être traité, hein. Dès que possible traité. Ah, j'ai perdu. Un sniper, pardon. Il est où, bordel? Je l'ai perdu. Il est encore en vue ou pas? Il est dans le parc en dessous, je le vois plus. Merde, je l'ai pas arrêté, j'aurais dû le tirer.
Ok, on regroupe, on regroupe. On va aller sur le bâtiment en face. Ouais, pas par là. On en a un, on a toujours un Pax sur la gauche, un niveau du parc. Il est en dessous. Visuel. Et quel pas, morceau. Dessous, j'ai environ une équipe immobile d'ennemis sur le parc. Vous voyez, Carlis. J'ai des charges, donc. Ok, reçu. Prépare-toi à traiter le véhicule. On reçoit si je suis pas sur l'opération exacte. Bah, il bouge. Il bouge, il bouge. Marqueur Tango sur carte. Derrière là. Ok, Tango, je Ah non, c'est le camion, il y a un camion là qui passe. Ah, Kamaz. Ah, mais il est détruit celui-là là-bas, non? Ah non. Alors, négatif, on en a juste. Attention, ça va débarquer. Non, négatif, plus personne à l'extérieur, plus personne à l'extérieur. Ok, on reprend. Y'a un pack ce coin là, y'a un pack ce coin. Pas de visuel. Vous voyez pas? Si, si. Ah bah, non, c'était le mien. Ah bah. Allez, on continue, on continue. Ah, mais j'arrivais pas, c'était pas stable. Je vois rien. On investit ou pas? Ouais, rentre. Ah mais c'est un camion, on s'en fout. Dessous, est-ce que vous voulez qu'on traite le camion que vous avez engagé? Keras. Confirmé. C'est Ras là, Lux, j'ai fait la pièce. Non, je suis en train de complètement bugger là. Ouais, je pense que tu veux. Là, c'est le étage. Désolé, camion traité. Je sais pas si on peut pas monter sur le toit sur celui-là. Enfin, bravo, camion traité, bravo, tu peux rejoindre la position. On va faire les pièces. Par contre, tu peux aller sur le toit. T'as besoin de soins, Alpha? Ouais, aller sur le toit. Ah, Ecovo, non? Ecovo, ouais. Allez. Je passe le premier. Vas-y. Allez. Où est-ce que vous êtes? C'est clair là? Pas monté, pas monté. Ok, toi clear. Ah merde, putain, je suis tombé. Ce qu'il y a? Oh, catané. Je suis tombé, l'échelle. J'ai fait bobo. Devant? Je sais pas, où Kali? Est-ce que ça lag un peu chez vous aussi ou pas? Non, ouais, j'ai pas pris. Alpha? Fucking l'échelle. Alpha. Ouais, je suis tombé de l'échelle. Plusieurs packs sur zone. Chier quoi. Alpha reçu. Ok, Alpha, on redescend tout en bas. Où les autres là? Ils sont sur le toit. Et ils m'entendent pas ou quoi? Bah, je t'entends la radio, mais. Allez, on descend là, les gars. Okay. Côté du bâtiment. Ah, putain, je suis plus sur la radio. Ça arrive. C'est quoi ce bug? Ah, celle-là me l'a jamais faite. Ah putain.
Max, passe en 143 sur la route. Non mais c'était mon taxe, je l'ai eu. Ouais, j'ai plus de radio. J'ai pas repris le stuff quand j'ai pop et j'ai pas la bonne radio. J'ai pas fait gaffe. Enfin, je prends une radio sur un corps d'œuvre. Une radio sur un cadavre. Bravo. Alors, du coup, putain, quand je voulais régler ma radio, plus de radio quoi. Je comprenais pas. Non, mais j'ai abattu 3 packs. Que 2 packs, ça m'énerve. India Unity. Ouais, tu repars sur India Unity, tu descends par la gauche là-bas. Allez, c'est parti. En direction India 2. Oh non, non. Alt. Faut des... On peut alt. Ouais, morceau. Alpha. Je suis chargé. Quoi là? Alpha. Ah, contact. Attention. Ah, sur nous 6, sur nous 6, sur nous 6. Ah mais il fait des roulades et tout quoi. Sérieux. Deux packs. Cali chargeur. Les mecs ils font des roulades et tout quoi. Ah, il y en a encore un debout, encore un. A gauche, à gauche, entre les paliers. Putain, il est parti à gauche, contourne à gauche. Contourne à gauche, John. Reçu, en dessous. Ah putain. C'est mort. Il y en a à gauche. Non, mais c'est. À gauche. C'est la folie. Avec l'âme, ils sont fous. Laisse tomber, on va rester avec les autres. Allez, on recolle les autres. La vitesse est revenue parce que je vois que ça les engage. Allez, Alpha, faut progresser, les gars. Direction India 2. Ah, on peut pas descendre par là, faut les passer par la route. On va suivre là-haut. Non, c'est les 9, Lux. Sur les 9. Reste pas là, avance. On se prend, allez, on va s'en mieux comme des cons là. Ouais. L'alpha s'est reçu, on suit India 2. Bouge, Wally. Ok, c'est bon, il s'est caché. Merde. On peut pas descendre par là. On peut pas ? Ah non. Putain, merde, on peut pas. On peut pas, John. Ah bah, on fait le tour de l'autre côté. Faut remonter ou faire le tour là, complètement reposé. Là, passer là. Putain, je monte mon écran. Allez, passez par là. Allez, rattrapez la route devant. Ah, j'ai bientôt plus de stamina là. À gauche, Lux. C'est Lux. India 2. On remonte, John, pas par là. Ça remonte, John. C'est par où ? Il faut contourner par la droite. Par l'autre côté, là. Là où il y a Heliox. Faut aller là-bas. Oh, fais chier, bordel. C'est quoi cette ville de merde, là ? T'en as pas pu atteindre India 2, putain. Ah t'es baissé, merde. Il y avait un Pax par là, faites gaffe. Ouais, écoute. Allez, descends de là-haut, Wally. Wally, descends. Non mais descends.
Ouais, l'idée, c'est on reste pas au milieu de... Où elle descend, le gars. Il est dans la cour. Il est dans la cour. Eh ben, vas-y, on va le choper, Kali. Allez, c'est parti. Enfin, si tu restes planté là-haut, que tu es blessé, on pourra pas venir te chercher. Il est plus. Il a bougé. De toute façon, il faut qu'on descende par là, de toute façon, on va aller le chercher. De Alpha, on va essayer de neutraliser un élément des PNF de la position. Vas-y. Il y a un truc, je pense. Il est avec toi. Il a bougé, il doit avoir atteint Alpha. Pas grave ou pas. Oui, c'est un flux. Attaque de l'autre côté de la rue. Bouge pas. Ok, on a deux packs entre India 3 et BMP de l'autre côté. Bouge pas. Il a pas pack c'est tiré. Purée, l'enflure. Ok, un traité. C'est qui vient de se faire traiter là au coin là. C'est à nous ça? Non, c'est ennemi. Non, mais là. Où? Ah, peut-être, on dirait. Il est où, Iliox? Rejoins-nous. Ah, j'ai plus de radio en fait. Hein. J'ai un problème de. J'ai eu un problème de radio. Ouais, t'as traité un allié. Non, j'ai traité un ennemi moi. Non, pas toi. Wally, t'es où? Ouais, t'es là. Couvrir les arrières. Ah, je sais, c'est le mec qui est devant. Vas-y, d'aliéné là ou quoi là? À droite, c'était un ami. Il est avec nous, celui qui est là-bas là? Ouais, oui, c'est Ali à droite. Ok, on va traverser. Allez, on traverse. Ok. C'est parti, en avant. Ce qui est à la droite, c'est allié. On traverse pour me recoller. Et en plus, t'es tapé le CD. Ah putain! J'avance pas, je suis chargé comme une brique. Reste en couverture à gauche. Ouais, je recolle. Ouais. Désolé, j'avais ennemi sur moi. Alpha, je suis en couverture le long du bâtiment pour lequel vous êtes aussi appuyé, direction plein est. Ah putain, j'avais la sécurité sur le lanceur. Ok, on décroche, vecteur rouge, direction Tango. Moi oh aussi, direction okay. Tango. C'est qui saigne? Ça doit être moi, j'avance pas. Non, c'est pas parce que t'avances pas. H. C'est H. Non, tu fais une pote. Baisse ton arme, On va les traiter. Au nord de l'église. Ouais, reçu. Ok, vas-y, on remonte jusqu'à l'angle de la rue, pas vite. Et Alpha, progression. Radez de l'autre côté. Ah putain, là-bas. Ah, je suis pas dedans aujourd'hui. Hein. Collé au mur. Reste collé au mur. Au feu gauche. Non. Non, je dirais derrière nous. À droite, plutôt derrière le mur, non? Ouais. Ça vient de derrière. La fille droite. Ça doit être. On continue direction Tango. J'ai reçu, traverse. Toi t'as un mur et tu Ah ouais. Ah mais c'est ici. Wally, rejoins Eliox là-bas. Vas-y. Ouais, mais on risque de te faire tirer dessus. Non mais vas-y, je cours. Avec shift. Ok, complet. Yes. Ok, on continue. Ok, je passe. Et vas-y, rentre. Non, c'est de l'autre côté, ton truc, non? Non, on va pas rentrer. On sort. C'est là qu'il faut aller. Je repasse devant. Vas-y.
est Pax sur les avant. Il vient de partir sur la droite. Ah, on le voit plus, on le voit plus. Ah, c'est la clim qui fait ce bruit là, je crois que c'était un camion. Ouais, mais pareil. Ok, ouverture gauche. Ok, je traverse. En face, midi. En face. Midi. J'y vais, je traverse. Jusqu'au coin du mur. Allez, on va au coin du mur, les gars. Ah, il y a un poteau, je peux pas me mettre. Putain de poteau, il me fait chier. J'avance. Ouais, il s'est rabattre avec les mines. Il m'empêche de. Attention. Attention à gauche, il y a un trou dans le mur. Bouge de ça. Alpha, on arrive sur Tango. Ok, allez-y, passe. Dernier, Kelly. Ok, reçu dernier. Ok, je rejoins. Négatif. Ok, c'est bon. Je repose devant. Vas-y. Attention, ouverture, là. Ouverture gauche, John. Ouh, tireur, ils ont véhicule. Je traite. Attention. Vas-y. Ok, tireur traité. Ok, on a atteint le... De haute. Attention, véhicule. Le tir venait, 4 clés à gauche. Ça va débarquer. Garde le véhicule. Reste là, Wally, toi. Surveille la traverse là, au cas où. Ouais. Surveille le véhicule. Il est à droite, C'est moi qui l'ai eu. Je sais pas. Non, je sais pas qui l'a eu là. Ok, on va monter. Iliox, on va monter. Ok, Wally, on bouge. Ok. Tu veux monter où? Et Wally, vous restez en bas. Ok, nous on reste en bas. J'en resterai au véhicule. Juste à ta droite. Là. À ta droite, il y a un escalier là. Allez, on peut passer par là. Attends, reste là, nous. On reste en bas. Il monte. Nous, on reste en bas. On tient ici. Et le chauffeur a été traité. Attends, il est pas mort lui. Ok, un pack traité en haut. On nettoie juste le truc histoire d'être sûr et on redescend. Ok, on peut redescendre. On peut y avoir un accès au toit, mais on va peut-être pas y aller. Non, non. On va faire les bâtiments autour là. Kelly, tu restes en appui avec Wally et on va nettoyer avec Eliox. On va traverser. Ok, donc on reste là. On bouge. Merde! Putain! Un Pax! Ça, à 3h? Ouais. C'est bon traité. Putain, quel con. J'ai pas remis de chargeur. On les entendait depuis tout à l'heure. Attends, il va falloir qu'il n'y ait pas un autre quand même. Ah, ça va. Je suis passé par la petite ruelle. Pour les contourner, mais bon. Et allez, on pourrait les contourner par la ruelle. Non, non, nous on nous a dit de tenir en bas, on tient en bas. Parce que si on part, après, il faut rester la position qu'il nous a donnée, parce que... Sauf si c'est intenable. Tant que c'est tenable, on bouge pas, tant pis. Par contre, il y a une batteuse sur ce bordel, là. Ouais, une batteuse. Il est HS ce véhicule ou pas? Sors de là toi. Attends, vas-y, je vais reculer le véhicule, je vais mettre... Monte dans le véhicule en tireur. C'est où le rentrer en tireur là-dedans? Ah non, pas à l'intérieur. Ouais, ah si. Voilà. Ah putain, tu peux dire à John à la radio qu'on est monté dans le véhicule, on a pris la mitrailleuse du véhicule. Alpha dans le véhicule avec la mitrailleuse. On a plus de... J'ai plus de radio. C'est qui TB? Ok.
On a pris le véhicule, Liox, c'est nous là. Ouais, mais il y a le TP qui peut vous taper. Ah, bah. Le TP, il a pas de visu sur nous là, je pense pas. TP, c'est quoi là? Pas beau pratique. Non, tireur de précision. Ouais. Il a une. Il a une 12-7, il tire à plus de 1000 mètres. Il peut tirer jusqu'à 3000 mètres. Donc, il suit qu'il nous appuie de la forêt là. C'est là où on les a laissés sur la montagne là-haut. Je vais piéger le véhicule comme ça, vous pourrez plus remonter dedans. Ouais, ça va, t'es méchant toi. Bravo, et, si vous remontez dedans, boum. Eh, mais j'ai vu personne à la radio là, c'est quoi déjà? Eh, moi j'ai plus de radio donc je peux pas te dire. Allez, on repart en arrière, on va essayer d'aller India 3 là, on va repartir sous le préau là. Il doit y avoir une sortie là. Sous le préau, ça sort. Allez, là. Non, à droite, direction. À droite. Non, non, par la traverse, John. Ça sort pas là. Par la traverse, à droite là. Ah ouais, là, ici. Ouais, rideau métallique. Allez, vas-y. Sinon, ça sort pas là. Allez, côté, ça en répond fait. Plus, ça répond plus. Allez, ça répond plus, on y va. Alpha, on vient de reprendre le contact. Vous receviez plus. On a un blindé sur la route. Et c'est celui qui est détruit, je crois. Sécurisé, tango, il est détruit ce blindé là? Ouais, ouais. Regarde le canon. Il y a un mec, on voit les pieds d'un mec. Ouais. Normal? Ouais. Bon, allez, on avance. Je peux. Suivi, on est sur India 3. Allez, on continue direction ouest. Il est à chasse de char ou pas? Normalement, ouais. Il est neutralisé le char. Ah, bah ça sortait. Station essence. Il y a une mission pour nous atteindre les quais de Georgetown qui sont ouest et les pays qui sont en chemin. J'entends okay. Rien là, oh, Dieu, moi, je sais pas ce qu'on fait. Un peu le meilleur bar là. Si tu m'as entendu là. Faut atteindre les quais, nettoyer tout ce qu'on a. D'accord, ouais. Ok. Quelqu'un qui peut descendre le chien. Ok. On va prendre gauche, on va prendre par la gauche. On va prendre le grand axe après qui redescend à droite là. Enfin, en face. On prend à droite, droite de la rue. Ouais, reste droite, ouais. Et on traverse, hein, comme ça. Ouais, vas-y. Là, s'il reste beaucoup de choses. T'as passé par-dessus, oui. Qu'est-ce qu'ils foutent derrière, là? Ils avancent pas, bravo, là. Ça, c'est sûr, c'est parce que c'est Roxas qui parle à la radio. Derrière, t'as plus de nouvelles, quoi. Roxas, si tu nous entends, il faut parler moins longtemps, s'il te plaît. Tu monopolises trop. Qu'est-ce que ça dit de ton côté, Eliox? Bah, pour l'instant, on reste. Ouais, ok, on va suivre. Y'a rien, y'a un pack marqué sur carte là, mais. On va aller jusqu'au toi, point Apex et ensuite on remontera le long des quais. J'y vais un peu vite, mais pour l'instant, c'est Ras. En absence, ils ont bougé en ville. Avec les tirs, et à mon avis, on les a tous pris sur la gueule, quoi. Ok, Ras. Reçu. Je descends vite dans le rouge, moi. C'est parce qu'on est lourd, c'est normal. Attends, c'est pas que sur notre position, a priori. Montrez pas trop. Après, je suis sûr que le TE, c'est nous qui est en train de viser ce con. C'est pas impossible. Ah, il m'a mis un PAX plein ouest. Le long des conteneurs. Ouais, mais il a mis il y a un moment ce PAX. C'est moi ou on vient de m'engager? Non, c'est quand je tombe. Ah, oh ouais, putain, ça fait mal. Je suis passé quand même. Pareil. Je continue. Sud-ouest, ok, reçu. Sud-ouest. Ouais, suivi, est-ce qu'on peut avoir un marqueur 4 ça joue, s'il vous plaît. Ouais, on va changer. Il y a un véhicule qui vient d'exploser proche de nous là.
C'est le véhicule que t'as piégé ? Non, non, il a pas piégé. Ok, Ras. Ok. Je vois pas où il est ton pack, ça. Ah, il y a des tirs là-bas sur la. Ah oui, il est loin là-bas. Il a dit qu'il y avait un pack sur la deuxième grue orange. Ah oui, je le vois, deux packs. Au pied, là, au pied du, de la grue là-bas. À gauche. Un. Encore un touché. Deux traités. Ouais, mais lui, ce qu'il voit, nous, on voit pas forcément. Ok. C'est loin pour nous. Allez, on pousse. Au prochain conteneur. Attention à la petite baraque sur laquelle on va s'appuyer. Ok, attention, j'entends un véhicule. Non, c'est la clim. Ah oui, c'est peut-être la clim. Il y a un véhicule qui brûle, oui. Vas-y. Pas que sa droite dans le coin. Putain, dis donc, il voulait pas tomber. Hein. Non, il y en a d'autres à gauche. Non ? Ok. Attention, il y a un pack juste à droite normalement. Il s'est soigné et tout. Ok, de la phase, confirme les PTR des trucs. Il brûle bien. Reçu. Ok, on va prendre à droite des conteneurs le long du quai. On a priori on a des plongeurs également sur notre sur nos 3 heures. Il est mort. Là, il est mort. Bateau nord-ouest potentiellement armé aussi. Pas du tout. Qu'on avance ou pas ? Pas sûr. Ouais, continue. Faut pas rester. Chris, il est pas encore mort, mais Chris. Faut pas rester. C'est différent de. Je sécurise à gauche. Allez, on est. On passe. Les conteneurs. Passe pas de l'autre côté des conteneurs, par contre. Ouais. C'était toujours d'un côté, de l'autre côté. Il y a le bateau qui est armé, qui est contre le quai là. Ouais, le bateau armé là, ouais.
côté. Non, sur le mec qui nage. Allez, on continue. Ouais, allez. Les mecs, on a bien fini là. Mais non, c'est bon, il est mort, il est mort. Ah, il bouge encore. Allez, on décroche en mode. C'est gâche. Parce qu'il a assez de temps. Ouais, bah, c'est pour ça qu'il est mort. Ah, t'as fait CTRL-C, c'est que t'as mis ta marche lente. Ouais! On a gagné la domination. Eh, il avait les munitions. Ah, il brûle un moment le machin. Allez, la ville a été reprise. Il devrait plus avoir trop de. Il faut remonter là-haut. Ouais, il faut remonter direction de l'ennemi. J'ai plus l'énergie là, je suis dans le rouge, ouais, j'avance plus. Eliox, pense stamina. Ah, prends son lanceur. Pourquoi tu veux que je prenne son lanceur? Bah, j'ai des doutes sur le mien, j'arrive pas à tirer. Buddy in your channel timed out. Ok, derrière le mec, derrière là, on va se faire une stamina. Là. En fait, quand tu regardes tout. Arrête-toi! Il y a la marche automatique. Tous! Je ne fais qu'un avec la force et la force est avec moi. Ouais, vas-y, quoi. En fait, ce qu'il y a, c'est que quand tu as arme levée, c'est-à-dire toujours la tête, l'œil dans le viseur, dans l'œil ton, là, tu vas te fatiguer okay. Vachement plus vite et tu vas avancer okay. Nettement moins vite aussi. Ouais. Bon, normalement, si tu recliques, tu baisses le viseur et tu avances à allure, on va dire, normale. Tu te routines. Tu fais deux fois contrôle. Comme je t'ai montré là, tu abaisses complètement ton arme. T'as une radio, bah... je disais là. Non, mais ça sera pas la même, si ? Fatigue beaucoup moins vite, mais tu avances moins vite. Je vais prendre, je vais voir si ça se transforme. On reprend ? Et non, allez. Ça se transforme en radio que je peux pas utiliser. Allez, c'est parti. Arme baissée. Allez, Matt, redresse-toi aussi, Apache. Pas Apache. Wally. Wally. C'est bon, c'est bon. Ouais, on change le nom. Ah, il a une tapache. Mais j'ai l'impression qu'il est tout le temps baissé, Wally. Non, non, là il est relevé, là c'est bon. Non, il est relevé Ouais, mais je fais 1m60, c'est pour ça que t'as là. Ah, d'accord. Ouais, sous Arma, c'est bien, c'est compensé. Tout le monde fait 1m80. Même moi. Bonne nuit, ma chérie. Et papa, bonne nuit. Attends, elle a 11 ans, elle vient encore me dire bonne nuit, c'est bien, non? Ouais, c'est bon. De 9 ans, le fait aussi. T'as plus d'intérêt, donc je l'aime.
par la maison aussi. Elle est bien cette ville, elle est sympa. On y vient. Elle est grande. Georgetown, c'est Bahamas. Ah, tu prends Altis Life, tout le monde vit là-dedans quoi. Ah ouais, ah ouais, je vois pas ces trucs là moi. Ouais, Arma c'est pour faire du mid-sim, c'est pas pour faire du L... du life. Et là il est au Canada. Eh, il est 4h53 là. De quoi? L'après-midi. De l'après-midi. Ouais, il y a 6h de moins. C'est retour dans le passé. Je fatigue moins vite, t'as raison. Ouais, ah, mais... quand t'es tout le temps en train de viser, ouais, c'est sûr. Ça viendra, t'inquiète pas. Ouais. C'est la première. Au début, je voyais rien. Je voyais pas sur quoi vous tirer. Je sentais les balles passer partout, puis je voyais rien du tout. Puis après, j'en ai descendu quelques-uns. C'est bon. Mais bon, Dieu, c'est le canard. Hein? T'en as tué 5? Je sais pas, c'est où tu vois les résultats? PP. Hein? Il a touché P. Ah, j'en ai. Et je suis second. Ouais. Qui est premier? Gauthier, mais il tire avec le Reaper. Il triche. Ah, oh bah ouais, c'est triché. Il a 3 véhicules, 14 kills. Et c'est triché. Oh, c'est un saccade. Ah, des véhicules. Ouais, ça a été nettoyé ici. Non, nos véhicules sont revenus là, tiens, c'est cool. Par contre, où est-ce que vous voyez que c'est le nord, le sud, l'ouest, l'est là? Avec la boussole. Mais après le nord. C'est pas K? Oui, si. K, ouais. Ouais. Mais le haut de la carte, c'est nord. Ta GPS. Ok. Ok, on va monter dans ce gris. Et la carte, tu peux l'agrandir, si. Tu peux zoomer? Non, quand t'as le GPS. Non, pas dans le GPS. Ouais. Je veux un chauffeur. Bah, Cali, je conduis. Ok, reçu. Est. C'est sûr. Il y a un chef de bar, non? Ouais, non, mais je suis devant. Ouais. Ah, c'est bon. Ok, verrouillé. Ah. Alpha verrouillé pour le départ. Il voulait pas s'arrêter le moteur, il m'énervait. Bah c'est mieux pour mon stream quoi. Reçu. Ah, ok, tu fais un col au cul. Je préfère que conduire pour y voir un peu avec le stream, c'est plus sympa quoi. Ouais, c'est sûr. Dans la caisse derrière, là, c'est souvent. Sous-marin.
pas niaise pas. Si, vous avez. C'est pas niaise beau. Ça niaise beau. Ouais, ce déco est beau. Hein. Bah, de temps en temps, vous allez vous entendre sacré grand québécois. Bah, c'est très bien. Aussi, hein. On est open. Hein. Bah, oh. Je suis originaire de France, hein, à la base. Ouais, non, mais ça nous dérange pas. Hein. Ça nous dérange pas, on joue avec tous les francophones du monde qui veulent venir. Oh, ouais. Pur Zerades qui est. C'est Négalais. Négalais, ouais. Il y a des Suisses. Il y a des Suisses, des Belges. Oh. Belges. Avec l'ancienne structure, on avait fait une interteam avec 40 Chinois. Je pense qu'on a d'ailleurs tous été fichés par le, le Parti communiste chinois. Parce que du coup, pour jouer, il fallait qu'ils bah, qu'il franchissent la censure, tu vois. Et tu peux pas jouer à Arma en ligne, sauf derrière quelques techniques ouais. Un peu particulières pour contourner, je pense. Et sinon, à mon avis, ça te va bien passer les pare-feux. Quand ils ont des pings de bord, quoi. Ah, y'aura eu quel putain! Qui c'est qui conduit là? Je sais pas. Mais non, mais non, devant. Non, ben c'est les autres devant, là, ils sont en droite gauche là. Je t'attrape. Ah, mais je vais y rester loin parce que je sais pas ce qu'il branle là. Je sais pas, il s'est dit tiens, je vais me mettre à droite parce que je suis un gros con et je passe pas en dessous le truc. Tu sais, c'est comme à la station essence, le mec il voit la pompe de droite puis après il change, il va à la pompe de gauche. Ok, garde-toi juste derrière et on débarque. Ouais, c'est mais pas grave, c'est là. Vas-y, écrase-les au passage. Ok, débarqué. Ok. Allez, on se regroupe. En fait, tu peux essayer de trouver un endroit qui te plaît en hauteur, t'éloigne pas trop, hein, mais. On est là, on est là. Le groupe là-bas, c'est de l'officier qui est dans le garage. C'est plein d'essence. Et quoi ça? Ah ben, le ravitaillement garage. Le ravitaillement. Le ravitaillement qui arrive. Recevant une partie de ravitaillement, oui. Ah bonjour monsieur l'officier. Il y a un monsieur à côté qui est FAMAS en moment. Je sais même pas ce que t'es, c'est quoi ton grade? Je suis Air Commander. Air Commander. Bon commandant. Pas tout de suite. Général Commander. Général Commander. Très bien messieurs. Mes félicitations. PP se prend des tirs. Mais non, c'est Fergus qui vient de... Non. C'est Fergus qui a mis un coup de mêlée. On se regroupe. J'ai mis un coup de truc. Mais apparemment, on se regroupe. Mais non, c'est juste le mais fruit. On se prend des tirs en morceaux là. Mais non, on se prend pas des tirs. C'est Fergus qui a envie de prendre des casques de feu. Oh, mais Roxas, c'est quelqu'un qui casse les vitres. Oh là là. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je trouve que la balle a été à côté de moi depuis le premier. T'es encore en vie toi? Comment ça? T'as survécu? T'as pas fait l'animation avec la corde là? Ah bah! S'il vous plaît, messieurs! Ouais, jusqu'au. T'arrives pas à l'ouvrir? Je le ferai pas parce qu'on est en pleine mission, mais. Voyez! Écoute. Allô, messieurs, est-ce que vous pourriez écouter le briefing avant de vous ravitailler parce que ça ne sert à rien? Oui. Ok, pardon. J'ai défoncé tout. Je voulais juste récupérer une radio. J'ai plus de radio, chef. Zéro. Hein. Ah, Gauthier, je crois que t'as un problème. Non, je suis juste triste. Ah oui, il y a la radio qui bug quand on respawn. Non, mais t'as ton... Et ouais, je voulais reprendre une radio. Ah. Merci. Très bien, messieurs. Félicitations pour la reprise de. Attends, je vais prendre une photo. De Georgetown. Nous avons déjà des troupes qui sont en train de prendre place pour sécuriser la ville. Et grâce à votre action, on va pouvoir avancer. Les documents que vous avez trouvés nous ont permis d'identifier ce que la Russie manigançait dans le secteur. Concrètement, ils ont détourné un pipeline qui se situe au nord de l'île. Donc ils ont réaffecté pour leurs besoins et qu'ils ont remis en service avec du coup le soutien de l'administration de Tanoa. Ils ont pu réouvrir un réseau et ils vendent leur pétrole à leurs alliés. Ça sent un peu l'actualité. Grâce ça. À nous.
Donc notre but ici va être de détruire ce pipeline à trois endroits différents. Pour ce faire, vous allez avoir dans cette caisse blanche des tenues de plongée pour que une équipe réduite prenne un des sous-marins qui est dans l'abri plus loin, puisse poser les mines. Tout à fait. Sous l'eau. Le problème, c'est que nous sommes très proches de la frontière avec la zone de contrôle russe. Ils ont des éco-radars à proximité. Donc si on y va juste avec le sous-marin, on sera rapidement identifié et on se fera détruire. Nous avons dans ce petit village, donc c'est un port de pêche, et nous avons un bateau de pêche que vous voyez au large, avec son magnifique filet de pêche. Donc la mission, certains de vous équiperont la tenue de plongée, prendront le sous-marin, et viendront se placer sous le bateau pendant que les autres prendront les zodiacs pour jouer les pêcheurs. Vous avez également dans cette caisse des tenues de civil. Donc vous enlèverez vos équipements, vous prendrez éventuellement un pistolet, mais le but c'est que vous soyez habillé en civil pour que toute patrouille russe pense que nous sommes bien des pêcheurs. La zone de pêche est la zone signalée en rose, donc c'est la zone de pêche habituelle de la ville. Donc si on sort trop de cette zone, on sera rapidement identifié comme suspect. Donc je vous invite dès maintenant, une fois que votre chef de section aura déterminé qui fait quoi, à vous équiper. Donc vous pouvez laisser tous vos sacs à dos dans les caisses et ne prenez que les équipements que vous voulez. Donc il y a des déguisements de pêcheurs et les tenues de plongée complètes pour ceux qui plongeront. Des questions ? Oh mon dieu. Est-ce qu'on risque de se faire... Est-ce que l'équipe pêcheur risque de se faire contrôler dans la zone de pêche ? Très probablement. Dès que nous approcherons de la frontière, il se peut que nous subissions des contrôles. Donc soyez bien sur vos gardes et nous sommes des pêcheurs, donc pas d'armes visibles s'il vous plaît. Donc est-ce qu'il y aura un moyen de... Est-ce qu'il y a des papiers à présenter ou quoi que ce soit? Comment ça va se passer le contrôle? Non, nous sommes que des pêcheurs de ce petit village de Huawei, donc il n'y aura pas de problème. C'est pas comme si nous sommes de se faire attaquer. Ouais, ouais. Non, mais tu dis la Russie sera passer. Sûrement, sûrement ouais. Un petit peu sur ses gardes, c'est pour ça qu'il vous faut faire gaffe. Ce qui est sûr, c'est que dès que les pipelines auront pété, on s'attend à une forte résistance ou des renforts qui arriveront très vite sur notre position. Donc, une fois que les pipelines auront été traités, il y aura des hors-bords ultra rapides qui vont être acheminés sur le port. Et qui vous permettront d'évacuer à Georgetown par la mer. Faudra revenir jusqu'à Georgetown pour récupérer les hors-bars. Ouais. Une fois que la mission est faite, vous pourrez du coup reprendre votre matériel au niveau du ravitaillement ici. Quoi, on fait quoi ? Avant de prendre les bateaux pour fuir jusqu'à Georgetown. Reçu. Pour évacuer, pardon, jusqu'à Georgetown. La fuite, c'est que si on se fait repérer trop tôt. Question. Est-ce qu'on peut faire pause pipi maintenant? Bah oui. Hein. Pendant que je monte juste après la fin du briefing, ouais, on aura 5 minutes le temps que tout le monde s'équipe. Merci. C'est pas très RP ça. Bah comment ça? Je peux aller derrière la bâtiment. Tu pisseras dans ta combi, c'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça tiendra chaud. Bon. On a combien de sous-marins? 4 places, c'est ça? Il y a un sous-marin, 4 places. Ok. Donc bah le but c'est vraiment bien que le sous-marin reste le plus possible sous le bateau de pêche. La limite en dessous quoi. Alpha, ouais, vous serez nos hommes grenouilles. Ouais. Vous pouvez aller vous équiper tout de suite. Ouais, si. Allez, Alpha. Bravo et Zulu, vous ferez les pêcheurs. Ouais, oui, si. Ici. Je peux faire la sirène, tu vois. Combinaison. Ah, je suis chaud pour faire la sirène. Alors, il faut que tu prennes une combinaison. Du coup, Radez et Gauthier feront les sirènes. Je suis pas sûr qu'on aura besoin du. Il faut prendre la combinaison, le recycleur.
N'oubliez pas donc le masque, la tenue de plongée, et il y a un sac à dos noir, et pour les plongeurs, dans cette caisse blanche, ah ouais, vous avez putain, des explosifs. Ah merde, ouais, putain. Regardez, quand t'enlèves l'uniforme... Je pense qu'on n'aura pas besoin d'armes. Non, par contre... Laissez vos fusils. Hein. Ouais, mais la caisse, elle aura pas assez de place pour contenir les fusils. Hein. Donc du coup, bravo, on se met en pêcheur, ça. Non, bon, on les laissera par terre, c'est pas grave. Ok, on se met en pêcheur, reçu pour pêcheur. Pas d'armes, rien du tout, c'est ça. Tu peux prendre un petit flingue, mais faudra du coup le planquer. On peut pas mettre des sacs à dos, okay. Ouais. Alors, pour, ouais, pour ceux qui seraient dans les... On peut pas mettre les sacs à dos. J'ai pas besoin d'émission. Les 5, 11, rush 2, 24, c'est quoi ça? C'est les sacs à dos civils. Eliox, avec quoi on détruit les pipelines? Des explos. Dans le petite caisse blanche, tu as des charges. C'est reçu. C'est des charges sous-marines. Je peux mettre le sac à dos dedans, moi. C'est des... Non, c'est des charges normales. Kelly, tu laisseras ton lanceur aussi, t'en auras pas besoin. Et c'est où les petits pistolets pour nous? Eh, je peux pas me débarrasser des pistolets. C'est Kill Sapper, c'est Eliox. Non mais pose ton... pose-les par terre, c'est pas grave. Ouais. Eliox. Oubliez pas votre gilet de sécurité. Je pense qu'il faut qu'on... On n'a pas d'armes, nous. Tu peux garder ton petit flingue, mais sinon non, on n'aura pas d'armes. On connaît tous ceux qui sont en plongée. Ah, ceux qui sont en plongée, non, t'as pas besoin de tes armes. Et un, et un dispositif de mise à feu. De charge, un dispositif de mise à feu. On s'en fout puisque ouais. on récupère le matos après. Ah oui, mais moi j'ai un truc. Tu vas être exempté. Ah merde, tu l'as pas sauvegardé. Ah, c'est un il y aura un arsenal. Il y a un arsenal juste là. Ok, ben c'est moi, je vais sauvegarder. Tu l'as sauvegardé? Ah bah oui, ok. Ouais, j'ai sauvegardé tout à l'heure. Ok, très bien. Wally? Ouais, pour moi, mon truc aussi, j'ai sauvegardé. John, tu peux poser ton arme, t'auras pas besoin. Donc, ça, tu fais pas très pêcheur avec ton casque de l'armée. John, tu peux poser ton arme. Et ben. M57 ou M152? Juste, t'as pas besoin de détonateur, t'auras besoin de minuteur. Regarde, pourquoi ça m'a mis une cagoule? Oh, je comprends. Minuteur? Ouais. Bah non, pas oui, minuteur. C'est pas minuteur. Minuteur. Tu veux le faire sur minuteur? T'as pas le choix. Alors qu'on est en plongée? Ouais, ouais, t'as pas le choix. T'as pas le choix parce que sinon, t'es pas à portée. T'as pas assez de portée avec le détonateur. Ouais, ok. Du coup. Ouais, mais c'est pas ça, faut synchroniser les minuteurs. Bah oui. C'est ça qui est drôle. Et les radios passent. Les radios. Et où est-ce qu'on fout les armes? Ouais. Il est où le moniteur? En fait, c'est quoi l'histoire de ce bateau? Les armes, on est obligé de les mettre dans la chouette, c'est tout. Ok. On n'aura pas besoin d'armes. C'est le pire bateau échoué de l'histoire. Je sais pas, mais. Vous avez le petit Glock si vous voulez prendre le Glock au cas où. Est-ce que tu peux redire. Ouais. Où est-ce qu'on pose notre flingue? Par terre. T'auras un truc après pour toi. De charge. Tu m'entends? Okay. Je charge pas. On m'entend? Ouais, moi je t'entends, mon beau Eliox. Ouais, personne ne m'entend. Je sais pas, j'ai demandé quoi. Tu prends deux charges de démolition? Ouais, j'en ai pris 4. Bon bah très bien, 4. Tu prends juste un dispositif de mise à feu, mais on va devoir les mettre sur. Le M57? Il a dit qu'on n'en aurait pas besoin. Mais on va les mettre sur minuteur, les trucs. Attends, vous êtes trop beau avec vos palmes qui traversent le sol là en plus. Mais traverse pas le sol, nos palmes. T'as vu ta tronche avec ton t-shirt de foot et ton bonnet de. C'est les ombres, c'est pas les palmes. Moi j'ai ça dans le sang, la mode. T'as un t-shirt du Bayern, mais barre-toi de là, toi. Attends, j'ai un t-shirt du Bayern, je sais pas, je peux pas regarder. Ah ouais, merde. Attends, j'ai besoin de l'Arsenal. Non, je regardais comme ça. Okay. Je suis prêt. Il y a quoi? Moi j'ai pas d'armes perso, donc je vous fais confiance. J'ai pris un Glock. J'ai une jumelle, un peu les faire. Ah, mais c'est carrément un t-shirt Afrique maintenant. Ça va, je peux, Kali, ça? Ah, bah attends, je suis sur l'inventaire, je sais pas. Il a pris un. Ouais, c'est bon, il y a un cycleur. Il te faut un masque par contre. Ouais, sinon tu verras que dalle sur le flot. J'avais pris des. Attends, je vais dénoncer à Kali. Kali, il y a Fergus qui a un maillot du Bayern aussi, si jamais. Ah, ouais, Africa, putain. Et non, lunettes de plongée. T'as un truc de foot, moi j'aime pas le foot. T'as un maillot du Bayern, Kali va pas kiffer. Okay, ah, pour ceux qui veulent faire une pause, c'est maintenant. Ouais, okay. Pu on mettre un truc du rugby, je sais pas, le stade toulousain, un truc comme ça. Ouais, pour tous ceux qui veulent faire une pause en jouant le stade toulousain dans Arma. Gauthier, je l'ai mis pas. Je suis Toulouse, moi. Ce casque, ce chapeau, je savais que tu le prendrais. Ah, mais j'adore, moi je suis fan. Ça, c'est mon. Bah, dans la vraie vie, je m'habille comme ça aussi. Si tu veux un prêt à la banque, ça marche instantanément avec ça. Ouais, non. Par contre, moi je peux pas mettre les vestes, vu que j'ai pas le DLC. Regarde,
Merde. Tu as le, tu as le pêcheur, c'est pêcheur classique. Ouais, ouais, c'est le DLC. Et tu as le pêcheur. Avec, avec ça. Ah, tu fais très pêcheur là. Le pêcheur. Okay. Bien, c'est que ça, ça rentre dans un sac à dos nickel. Hein. Ok, bravo. On va, si tout le monde est prêt, on va au Zodiac et après on fait pause pipi. C'est bon, on avance. Ouais, je vais aller aux toilettes, j'arrive. Ouais. Oh, t'as pas eu d'action, t'as bien tiré là. On t'entendait tirer de partout avec ton calibre 50. Mec, j'ai fait des tâches, s'il te plaît. Tu vois les grandes poches que j'ai. Quand tu vois sortir ça de sa poche, c'est pas ton sécurité, hein. Par contre, pense bien à le mettre sur le calibre. Oui, et oublie pas de. Ah, moi j'ai pas de sac. Bah, on prend pas un sac. Sinon, tu vas te faire repérer. Ah, il a mis un script comme ça. Bah, je pense. Je prends pas alors. Moi j'ai un sac hein, et ça se met dans son sac. Ouais, mais moi j'ai pas de sac donc bah voilà. Ah, faut juste, on peut prendre des armes de poing, il faut les planquer derrière. Après, les sacs à dos ça peut passer, mais c'est des sacs à dos militaires quoi donc bon. Ah bon. Oui, mais en gros, y'a pas de script quoi, donc si je l'ai juste sur moi et qu'on le voit pas. Non, non, le script c'est Zeus quoi. Ok, très bien. Commence pas, Gauthier, s'il te plaît. De quoi? Commence pas à faire de. Dire des bêtises là, à vouloir tricher. Hein mec, je triche pas, c'est Morceau qui voulait pas que je prenne mon arme. Bah voilà, tu l'as caché. Elle, elle a disparu, bah voilà. C'est cool. Là c'est bon. Alors, quelqu'un pour la voit pas ce pour se synchroniser, ça va être super chaud patate. Quoi. T'inquiète. Okay. Non, mais tu vois ce qu'on a de charge. Oui, de toute façon, tu vas pouvoir les faire que un par un. Attends, les points. Hein. D'avoir... Les points sont marqués? Ils sont marqués sur ton GPS, oui. Ah, ça y est, je les vois. Mais on peut, mais... Se parler, on peut pas se parler sous l'eau. Bah, si, t'as la radio, oui. Je pense. Si, il y a la radio. Il y a la radio. La radio c'est passe. Que sa radio. Ok. La voix, ça marche okay. Pas. Ouais, sinon, ça va. Ouh. Avec glou. Ok. Ça va être compliqué. Fergus, ouais. T'es prêt glou, glou, glou. Allo, Fergus. Ouais. Poisson, poisson. Ouais, t'es prêt? C'est bon, t'es prêt? Mon flingue est caché. Oui, je crois bien. Ah, ouais, c'est notre jeune. Oui, pardon. Oui. Défi t'es accepté. C'est parti. Ah, c'est parti. Go, 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 go. Go, 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 go. À gauche. Ouais, allez, on y va. Bouge. Ouais. Ici, là. Oh. Oui, je suis sous-marin, chef. Ah, je vois, chef. Il est sous un garde, chef. Ouais, il va falloir se tenir. Kali, tu pilotes? Ah, tu te souviens que je suis fort pilote? Ouais, c'est pour ça. Alors, je me mets en tireur. Wally, t'es là? Ouais, ouais. Je cherche l'entrée. Ouais, vas-y, c'est là. On monte à l'arrière. Je ferme l'écoutille. Hop. Y'a pas d'écran pour regarder le film? Normalement, t'es vers des écrans devant, je crois. Je suis pas sûr qu'à l'arrière, y'a des écrans. Derrière, je crois pas qu'il y a d'écran. Bon là, écoute, il ferme à l'arrière. Là. On fait confiance aveugle au pilote. Hein. Alpha, une fois que vous êtes en dessous du bateau de pêche, informez-moi. Reçu. On est en glouglou. Glouglou. Ah, laisse ouvert, c'est trop. Ah là c'est ouvert, c'est plus beau comme ça, c'est magnifique. Ah, il faut que tu remontes en termes de profondeur, je vois rien du tout. Il faut que tu remontes, Kali. Oui, j'ai reçu. Parce que je vois pas le bateau de pêche au-dessus de nous. Bateau de pêche sur nos 1h. Oh là, la caméra est juste là. Ok, 2 Alpha, on est en position sous le trawler. Quoi, ça tangue. Halt.
remonte pas, plus bas, plus bas, plus bas. Reçu Alpha, on est en train de se mettre en position dans le... dans le bateau de pêche. Suivi, pense à me donner cap et vitesse. Si vous voulez entendre les conversations avec la surface, vous pouvez mettre le deuxième channel qui est la 200. Ouais, fille, ouais, c'est fait. Reçu, pour la vitesse, on dépassera pas ta vitesse. Tu peux aller à quelle vitesse maximum? Je sais plus. 30 km/h à peu près. Alors, reçu, on dépassera pas les 30 km/h alors. Suivi. Ok, Kelly en profondeur, on est pas trop mal. On suit tout le monde, prêt à y aller. Alpha. Ils ont encore un mec à l'eau. Bravo, j'ai encore un pack, ce qui est pas dedans. Y'a un mec qui nage. Kelly, je t'entends pas si tu parles par la radio. Ah, y'a encore un mec à l'eau qui nage. Ouais, ouais, fille, tiens-toi prêt pour le départ. Si t'es sur la 200, ça m'arrange. Ouais, j'écoute la 200, y'a pas de soucis. Il a oublié sa crème solaire? Non, je crois qu'il a oublié sa bouée. Alors, pour la petite histoire, il me semble que Pirouette a commencé à éditer la mission avant les événements tragiques que nous connaissons. Quel visionnaire. Je pense qu'en fait, Pirouette était sur écoute par la CIA et ils ont trouvé l'idée vachement séduisante. Donc ça veut dire que pour toi c'est les Américains. Ouais, je pense que c'est largement évident. Okay, bravo, c'est ma théorie aussi. Reçu Alpha, c'est parti. Suivi de Alpha. Attends un peu Cali, laisse-le un tout petit peu devant. Ah ouais, je le surveille au-dessus, attends. Et que je prends la vitesse pour manœuvrer parce que... deux, bravo, donc attention, le bateau a une grosse inertie, donc pour s'arrêter sur un point précis, il faudra ralentir en avance. Actuellement 12 km/h. 12 km/h. De Alpha, c'est reçu, on est sous votre hélice arrière. Avance, avance, Kelly, t'éloigne pas trop. Reste bien en dessous si tu peux pour qu'on garde la signature. On touche le fond. Ouais, reçu, remonte un tout petit peu. Ah, ils ont mis le filet de pêche. Ouais, reçu, je crois qu'on a 15 km/h. Suivi de Alpha. Qui remonte un tout petit peu Kali. Si on peut avoir un tracé sur carte, ça serait sympa, non? 15 km/h, ok. Ils partent vachement au nord, je trouve.
Ouais, faudrait qu'il corrige en allant plus au nord-ouest. Il a mis un tracé, ça. Il y a un tracé qui a été mis sur carte. Il est en train de tourner. Ouais, il a corrigé nord. Il y a de la musique pour ceux qui ont mis la musique. Afi, afi. Ah, vraiment sympa son idée, c'est vraiment cool. De ouf. Je pense que j'ai jamais vu ça sur un rabat perso, mais je trouve ça nickel. Je trouve l'idée de se servir de la signature super cool. Ah, c'est très bien pensé. Blou 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 blou. Fergus a mangé trop de poisson. Il a voulu manger de poisson et je les arrête. Ah, c'est lui qu'on a vu passer dans l'hélice alors. Alpha, attention, on va commencer à faire le virage pour se remettre dans l'axe. De Alpha suivi, on est pile poil en dessous. Faut pas bouger dans le trawler une fois que t'es dedans. Pour ceux qui sont en surface, ouais, ça serait sympa pour eux. Et Morceau, il a son stream en fait, lui ? Aucune idée. Ça fait trop plaisir, on a eu un mec de l'AMF aussi, ça c'est sympa que ça soit venu. Ah, de ouf. Ok, on approche du premier objectif, je vois, non ? Attention, tu touches le fond, on remonte un petit peu. Je commence à ralentir pour arriver sur le premier zone de première zone de minage. De Alpha, c'est suivi, on va ralentir à peu près en même temps. Un visu sur le pipeline. Attention, bateau à notre droite sur nos deux heures. Afi, visu hors bord. Ok, attention, Mefkali, bateau sur nos 11h, 9h. Ouais, de Kali visuel. Actuellement, on contrôle silence radio. Juste venir avant qu'on met le masque. Chut, masque radio. Ouais, mets ton masque et silence radio.
Et coffee, coffee. Situation se clarifie au-dessus. Moteur coupé. Donnez-moi le moment exact où le minuteur est enclenché. Moteur coupé. De Alpha, c'est suivi. Ok, à tous, on débarque. On va tous poser. Qui a des charges ? Eliox. Combien vous en avez ? 4 pour Eliox ? 2 pour Kali. Deux pour moi. Est-ce que tu en as pris Wally? DM183, mais je sais pas s'il faut des détonateurs ou quoi. Là. Des quoi tu as pris? M183, charge de démolition. Ok, reçu. Alors viens, tu peux débarquer, on va aller en poser sur le pipeline au-dessus. Est-ce que j'en pose un au pied? Essayez plutôt de les poser sur les tuyaux. Comment je les utilise? La molette, ça fait rien. Contrôle Windows et tu vas sur explosif, placer une charge. Ne les synchronisez pas, c'est moi qui vais les faire. 10-4. De Kali, charge placée. Ok, restez tous près de vos charges. Il y a un mec qui est mort et qui passe près de moi là. Ouais, suivi, ça doit être Fergus. Alpha, confirme-moi quand opérationnel. C'est excellent. Alpha, on est en train de miner. Alpha, on est en train de miner. Reçu. Ok, une fois que j'ai amorcé vos bombes, vous pouvez remonter dans le sous-marin, d'accord? Allez, cherche. Attention, je vais commencer, j'en synchronise une toutes les 30 secondes. Charge posée. Eliox, faut pas tout mettre, on a 3 points à faire péter. Ouais. Alpha, faut vraiment que vous vous dépêchiez. Okay, Alpha, j'amorce les bombes. Il en amorcera une et puis c'est pas grave. Reçu, dis-moi quand se charger. Quand c'est amorcé. Les autres. Non mais c'est pas ça, t'en as assez pour faire péter 3 endroits. Eliox en a trop posé, il y a 3 trucs à faire péter. Ma charge a disparu, c'est normal. Ouais, c'est pas grave, t'inquiète, retourne au sous-marin si John est passé. Allez, Eliox, replie-toi. Oh, aussi. De Alpha, bombe amorcée, 14 minutes 30 avant explosion.
On rembarque et prêt à partir. Reçu, informez-moi quand vous êtes prêt à partir. Il est embarqué. Ok, je commence à. Je reprends la progression avec le bateau. Reviens. Alpha verrouillé, on est pro départ. Ok, top action. Visuel sur vous. Remonte un peu, par contre, Kali, avant d'avancer, parce que tu vas toucher le fond. Ralentissez un tout petit peu, Alpha. Rouge. Non, reçu. C'est bon. Ok, on est sous vous, Alpha. Sous vous, Rouge. Ouais, je suis en train de tourner. Ouais, visuel. Ok, au prochain point, même procédure. Go feu. Attention, on a des tirs de sommation. Une fois arrivé sur zone, vous faites au plus rapidement possible. 30 secondes max. Suivi. Prêt à dé... Il y a exprès. Merde. Arrête, ok. Ok, débarqué, on a 30 secondes pour poser. Ok, on reprend légèrement à 1 km/h, hein, tout doucement. Mais faites au plus vite, on peut pas rester sur place. On a le navire russe Jarno. Négatif, ne bougez plus, on est juste en dessous de vous en train de miner. Combien de temps avant détonation? 12 minutes. Faut que vous repériez au caillou en dessous du pipeline qu'il faut miner. Reçu, il me faut une mine là sous le caillou. Sur le caillou là. Charge placée et embarquée. Sur le caillou. Placée. La charge que j'ai posée a disparu. Derrière toi. C'est pas grave. Derrière toi. Si derrière toi. De taper. Plus loin. De Kali, j'ai ma charge, tu l'as pas activée. Sous vous et progression. Ok, il est sur tes 3 heures. C'est toi qui as amorcé toutes les charges, John? Affi. Ok, avancez plus vite que nous et commencez à miner le prochain objectif. Alpha a suivi. Ok, j'ai mis mes charges moi dans l'inventaire si vous en avez plus. Même topo, on en place 3 en dessous, au-dessus du caillou. Il y a un caillou, normalement ça vous sert de repère, il y a un caillou sous le pipeline. On l'a dépassé. T'es allé trop loin, Kali, je crois. Ah, vous nagerez, hein. Ok, débarqué, on va miner.
Tu veux que j'en mette un sur le caillou? Non, négatif, on va pas miner le caillou, juste le pipeline qui est au-dessus. Temps. 9 minutes. Charge posée. Kali, charge posée. Kali, charge posée. Suivi, remarqué. Wally, embarqué. Helix, embarqué. On commence à bouger le bateau russé sur nos arrières. Ok, charge posée. Je rejoins mon sous-marin. On n'est pas sorti de la zone là, de pêche. Ok, si, en avant. De Alpha, on est en dessous de vous. GG, messieurs. Merci. Reçu, on regroupe au niveau de du port de Huawei. Suivi. Ça tire ou c'est moi? C'est toi. Ah bah ça va, je suis rassuré. Il est beau le temps. Le temps. Le temps, T-H-O-N, bateau, le poisson quoi. Ah oui, c'est bien ce que j'avais compris, le temps. Non, chante pas une chanson, hein, je t'ai pas demandé le temps. Hein. Non mais j'avais bien compris, mais et en fait quand tu dis beau et ton, ça va pas, c'est un peu antinomique en fait. Comme quoi un temps peut être beau. Selon tes critères, visiblement, oui. Ça dépend de la dose d'alcool. Ouais, il aime bien les sirènes, mi-femme, mi-ton. Visiblement, au Canada, on a trouvé la solution. Une bonne lampée pour se donner du courage. Je te rassure, il n'y a pas que là-bas. Hein. J'espère que Pirouette y fait des screenshots. Ouais, moi j'en ai fait, mais bon. J'espère que lui et Anzos, ils nous en fait des beaux.
Tu vois, Arma, il a des défauts, mais là, le sous-marin, il est vraiment bon, quoi. Ouais, je suis d'accord. D'ailleurs, tiens, tu peux remonter à moins 16 mètres. Ouais, moins 14. En fait, tu contrôles pas trop, quoi. Ouais, mais le front est en train de remonter assez vite, quand même. À un moment, on pourra plus les suivre, sinon on va avoir collision. Ouais, suis. Quand on sera sorti de la zone de pêche, tu dévieras pour atteindre le hangar où on était. Ouais, j'ai déjà commencé à m'écarter sur le côté parce que sinon on va s'entrer dedans. Je t'ai fait un tracé noir pour dévier de ton. Ok, je le vois, merci. Rouge 2 Alpha à la sortie de la zone de pêche, on va sortir du cap pour ramener sous-marin au niveau du hangar où on était. Voilà, afin d'éviter toute collision. Non, reçu, nous on s'arrête au niveau, on va essayer de s'arrêter au niveau du ponton. Suivi. Ok, tu peux remonter surface, ok, suivi. Bonjour messieurs. Ah. Dis bien. Je vais m'écarter parce c'est... qu'ils vont essayer d'accoster par là, j'ai l'impression. Ah, c'était pas mal. C'était cool. J'ai aimé. Mais attends, ça va péter après. J'espère. Je sais pas si on va le voir d'ici. 2 minutes 30 à rien exploser. C'est là qu'on va voir si on a bien bossé. Vas-y, fous-toi sur la berge. Je bitche. Ah non, oui, tu as le. Je vais le bitcher dans le hangar. Je vais le bitcher dans le hangar. À la map edge. GG. Allez, débarquez. Allez, regroupement. À la station service. De Alpha, on a débarqué. Dans les îles, le frère. Une mètre, je vais faire fondre ma carte graphique, le frère. Ah, normalement, on devrait les voir, les explosions. Non, j'ai fait cracher. Au revoir. Non, j'ai craché. Au revoir, craché. John. Bien ça parce que ouais, ah j'ai craché, j'ai pris mon petit uniforme, hein. Faites des screens, je suis en... visuel, je visionne screen, non, pour reprendre ton uniforme, t'as été la boîte là-bas. Bonsoir. Ouais. Bonsoir les âmes grenouilles, et bien. Franchement, ouais, c'était cool. Nous, c'était. On a fait de la pêche, quoi. On a donné du poisson à un russe. C'était sympa. Bah, on minait, quoi. On faisait juste des charges, mais le fait de. Vous Minecraft, tu veux dire Excuse-moi. C'est le fait de lever la tête et de voir le bateau. Ouais, c'est sympa. Hein. Pour les corps radars, c'est vraiment cool. Allez vous équiper, hein. Allez vous équiper. Je vais m'équiper, du coup. Allez vite, on a 30 secondes. Hop, moi je suis équipé. Ils vont tous se tourner, c'est con, et on va. Je vais arriver à voir. Non, je reste sans regarder, Bah, allez, Pirouette, ça marche ou pas? Kalimoun, regarde! Kalimoun, regarde! J'attends que ça pète, moi.
Ah, Kalimun, tu stream. Oui, oui, je stream, j'ai mon stream, j'ai mon stream. Je regarde, je lâche j'arrive pas. À m'équiper. Je regarde aussi. Je m'assois sur la plage. Ouais, je sais ce que j'étais en train de faire. Alors, normalement, ça. Ouais, ça fait 15 minutes. Donc, on voit rien. T'as ton cocktail? Ouais, je l'ai fait hier en testant avec Pirouette, c'était bien sympa de poser les bombes. Vous avez bien armé les trucs au minuteur? Ouais, tous. C'est John qui a tout armé. si, elles sont toutes armées. Ben, mais la durée et valider la durée. Il y a un intendant hein, ici, plutôt que de vous prendre la tête. Hein. T'es sûr que les charges de démolition ça passe sous l'eau? Mais c'est lesquelles que vous avez pris? Oh, il y avait les trois, il y en avait deux. Bah, c'est les mêmes que d'habitude, il fallait prendre les. Oui, mais c'est là, j'en ai mis. Ouais, c'est ça, on a mis ça. Bah, M112, toutes les fois où je l'ai fait, ça a marché correctement. Ah, mais le problème c'est que les M112 étaient au-dessus de l'eau. Pourquoi vous avez fait la charge sous l'eau? C'est vrai qu'elles étaient au-dessus de l'eau, hein. Non, elles étaient au-dessus de l'eau. Là, on les voit. Ah, je les vois, moi d'ici. Mais non, c'est pas les charges, c'est des cadavres. Si, on les voyait, elles flottaient au-dessus de l'eau en fait quand vous les placiez. Hein? Elles étaient au-dessus du bateau. Bah, c'est pas possible, quand je les armais, elles étaient toujours au fond. Ouais, mais regarde, j'ai fait des streams si tu veux dans votre Discord. Ah non! Et c'est pas possible. Bah non, parce que nous on les voyait. De toute façon, même si elles étaient au-dessus de l'eau, on les aurait au moins entendu péter quoi. Elles ont pas pété, c'est toujours là. Bah, c'est bizarre qu'elles aient pas pété. Bah, on peut pas demander à Pirouette de les faire sauter manuellement, au pire. Ou foutre des explosions, j'en sais rien, mais. C'est toi, Gauthier, là. C'est bizarre. Aïe. Ouais, c'est moi. Agrippé comme un singe. Si, je les ai toutes armées, j'en suis certain. Moi, je pense que c'est juste un bug, hein. Ouais, parce que là ça fait plus de quelques minutes, ça fait 2-3 minutes, tout aurait dû péter. Non, en fait... C'est bizarre, hein, ça marchait hier quand on a testé avec Pirouette. Pirouette? Ouais. Pirouette, t'es où? Il doit être en Zeus. Qu'est-ce qui est tiré? Pas moi. Ah, il y a dû avoir un misclic. Parce que là, s'il doit commencer à traiter les Russes, on n'est pas terminé. Hein. Ils sont à 1800 mètres. Oh, je vais me mettre en maillot de bain en attendant. Là, je suis en train de régler ma lunette pour tirer sur les Russes. Hein. Mec, à 1800 mètres, faut pas abuser non plus, tu toucheras rien. Oh, tu veux parier? À ce point-là, je pourrais, franchement. Il te faudrait 20 coups pour toucher même le bateau, donc. Non, moi, là je clairement, je peux te dire que là je touche. Il y en a un qui s'est mis en maillot de bain. Ah bah il a raison. Avec le casque, avec les JVN, mais. Non, pas les JVN dans l'eau, pas les JVN dans non. l'eau. Non, il va déclencher les charges. Il y va à la nage. Ah, Pirouette, il est sur la zone, il regarde ce qui se passe. Il est en Zeus. C'est qui, c'est Kali là qui s'est déshabillé? Non, Kali non. Il est assez. Non, ouais. Je suis là. Tu m'autorises à tirer sur les Russes en bateau? Non, c'est Wally. Allez, ah, les okay. Bateaux ils ont disparu. Ah, ils sont là. Ah, mais franchement, là je tire, bah, je fais des kills. Hein. Je tue des gens. Hein. Mais t'arrêtes de passer devant moi, parce que la prochaine fois c'est la balle qui passe. Bah, attention, il a pas beaucoup tiré là, il a la gâchette non, chaude. Pas de soucis, rien. Pas de soucis. Non, je vois. T'approche pas de moi. Hey. Oh putain. Je peux faire l'animation suicide en détresse. Tu veux ça? De quoi, je vois rien. Je sais pas quoi ça ressemble, mais j'imagine que ma main a une position un peu catholique. Ça va, tu es pas trop en sang? Putain, c'est tellement con. Tu veux te suicider, Gauthier? Je vais mettre ça à côté de toi, rien. Ça va bien aller. Ah bah ben, parfait. L'armée pas. Hey John! Ah merde, je suis bugué là maintenant. Ah non, c'est John? Ouais, je suis là. Qui a pris ma charge? Équipe-toi peut-être. Qui a pris ma charge? A ton avis, qui a pris ta charge? Donne-moi ma charge.
Alors, place. Touche pas. Je te la colle sur ton sac. Tu peux faire la Semtex, c'est comme sur les anciens Call of. Tu lui mettais la Semtex et ça collait. Nanananana. Boum. Ah, attends, il s'est passé un truc, ça a pété. Oh, j'ai vu les boums, j'ai vu un boum. Ah, ah, il y a le deuxième qui devrait arriver là. Ah, ah ouais, j'avais mis 2 minutes. Boum. Ouais, allez, je l'ai vu. T'as réussi à les reparamétrer? Non, mais j'en ai posé des nouvelles. Rien, mais échec mission, quoi. Tu les avais posés comment? Boum. Boum. Bada boum. Sur les pipelines, directement. Prêt à tirer sur les russes s'il y a besoin. C'est n'importe quoi. C'est qui là? C'est qui le TAD? Ah, c'est Radez. Mais c'est bien, c'est si on, si on doit évacuer les Russes en kayak, c'est parfait. Mais dans l'animation du paquet est mal fait. Oui, bah c'est Armar, il y a pas beaucoup d'animations qui sont bien faites. Ouais, non, c'est dommage. Ah, yes, les bateaux. Allez, ouais. Zoulou, on embarque dans lequel morceau? Il y en a d'autres? Ah oui, il y en a un deuxième là-bas. Allez, comment Alpha, prenez le premier. Alpha, prenez le premier. Bravo et Zoulou, on prend les deux autres. Ok. Ok, Roxas, t'as entendu? Ouais, mais il y en a un sur la droite, il y en a un sur la gauche. Ouais, on prend celui de droite. Il y en a plusieurs. Bah. Hein. Alpha, vous êtes où? Premier. Oui, oui, il y a Alpha qui prend l'autre. Allez, hop là. Verrouillé. Verrouillé. Je suis artilleur arrière. Et c'est plein sud, hein, je crois. Prendre la fait, c'est bizarre que ça ait pas pété. Personne se met chef de bord là pour tirer le lance-patate devant là. Ah si, c'est bon, j'ai. Ouais, c'est mieux ça. Je vais être en train de me dire, bon. Ouais. Faudrait qu'on se faisait chier, tu vois, sur le bateau pour le coup. Bah, c'est qui tire là? Je crois que si je m'explique, quelqu'un qui tire. Il y a des hors-bord devant. Ouais, je suis d'accord avec toi, qu'est-ce que c'est? Je sais pas. On a des bateaux de partout. Il y en a entre les 11h et 1h, il y en a au moins 5 ou 6. L'heure des débats. Tiens, on ne nous engage pas. Leader skin, je te dirais non. Et c'est allié ça? Négatif. Ils tirent pas donc, faut pas les engager. On s'est trompé là. Ils ont changé? Regarde sur le GPS. Ah, mais tu les as suivis, moi.
prendre. C'est là qu'elle est là. On a micro USB. Alors on a rien. D'échelle. Mais y'a pas d'échelle là, comment ça se passe? Pas d'échelle là. Ah, ils sont pas là-bas, regarde, ils sont partis là-bas. Ah, c'est quoi ça, sérieux? Heureusement que j'ai piloté quoi, parce que. C'est bon. Ouais, sort, c'est parti. Ah, bah attends, faut qu'il s'arrête. C'est difficile de l'arrêter. Ah mais non, c'est des crabes. Ah c'est bon, vous pouvez débarquer. C'est que j'ai jamais vu. Le crabe HD. Non. Non. Qu'est-ce qui m'arrive? De Cali, je suis en plein vol subsonique. Sans parachute. Adieu. Aïe, je suis mort. Prise de fou là. J'ai un lac de dingo là. Buddy joined your channel. Buddy in your channel timed out. Ah, j'ai un frise de dingue et j'arrive pas à me téléporter. Pourquoi je frise comme ça? Ah mais là c'est pas normal. Je m'excuse pour ce suicider. Il y a les athées dans le véhicule, hein. Je suis là. Bah vas-y, on te regarde. Non. Ce sera pour la fin de la mission. Wow. Parce que mon score est de 6. Il y a un hélico qui s'est écrasé juste derrière nous. De Kali, j'ai crash. Ah oh, putain de merde. Ouais, Kali, j'ai vu sur Kali, ton stream, t'étais en PowerPoint à la base. Et Kali, c'est passé quoi? Comment ça se fait que tu t'es envolé? Quand j'ai débarqué du véhicule, j'ai été propulsé dans l'espace. Space! Je suis en train de relancer le jeu, mais j'ai un problème, Houston. J'ai même plus les sons de mon arme, c'est... quoi. Moi non plus, j'ai plus les sons de mon arme, ça va, je suis rassuré. Ok, le truc lagué autant. Ouais, ça couvre. Ah bah là, chez Draco, ça va. Il y a 7 FPS quand même. Il y a 6 FPS. Il y a tout Strasbourg qui brûle là. Moi je suis à 2. Je suis arrêtez, vous allez faire fondre EDF là. C'est à cause de nous les coupures d'électricité. Ouais, c'est clair, là, vous demandez trop là, vous tirez trop là, les centrales elles sont en peine. Là il y a une coupure à Kiev à cause de nous. C'est... Attendez, parce que je peux même pas valider la mission là.
Soudain, le ça lag tellement. Allez, vivement rang à 4 qu'on pourra faire, on pourra faire ça. Bon, allez, j'abandonne, hein. C'est impossible. Attends. Ah, il s'écrase juste devant. Attends, il va aller des jolis. Attends, il va réussir. Il y a deux FPS, il va réussir. Allez, allez, hop. Ah, la pub pour les DLC. Aïe, elle est plus longue du qu'un œil. J'étais en train de placer une charge. Oh putain, mec, tu t'avais mis combien de trucs pour qu'on lag autant? Il y avait 15 hélicos, 9, je sais plus, ouais, 6 ou 9 MIG, 6 bateaux. Ah, mais mec, t'as mis la dose là. Oui. Bah, le but c'était que ça soit la guerre. Ouais, et ça a été la guerre, mais dans le serveur. Du ça a coup, été la guerre. Ouais, ça a été la guerre dans nos FPS, surtout là, en fait. Ah, bah, demain, ouais, on va avoir un appel de Draco, il va nous augmenter de par deux la facture d'électricité. Bah, c'est vrai que non, ça laguait quand on était à deux fois sur le serveur, mais je pensais pas que ça laguerait mille fois autant plus quand si on était 10. Ah oui, si, c'est. Ouais, c'est un peu c'est un jeu de 2013, en vrai, faut pas nous trop demander. Toutes mes excuses pour ce que je voulais faire un truc. Merci d'avoir suivi, merci. Non, mais c'est sympa quand même. D'être passé.